Thank you.
Konbanwa minasan. Isajibuni desu ne. Coucou tout le monde, comment ça va? Mina genki desu ka? Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans les chats s'il vous plaît. Ça fait trop longtemps. On dit ça fait trop longtemps. Kakashi. Yes, pas de lag avec le chat. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que ça va? Est-ce que les réglages sont bons? Et vous, est-ce que vous allez bien? Ça fait plaisir de voir ce grand sourire. Ah, trop chou de Daimidea. Masone, tashikani ne. Tashikani. Konbanwa minasan. You. Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Vous avez pas de musique? Alors attendez, je augmente un petit peu alors. Voilà, là vous devez l'avoir juste ce qu'il faut. Attends, je vérifie aussi de mon côté. Ouais, normalement ça a l'air bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que les réglages sont ok? Comment ça va les gens? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez potentiellement passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances? Et pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être en vacances, est-ce que c'est cette dernière semaine, là où je n'étais pas là du tout, en vacances, hein, clairement, on va dire qu'il fallait que je me ressource, est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Comment vous allez? Ça fait trop longtemps, je suis contente de tous vous revoir. Il est chi, Ina, il est chi. Coucou tout le monde. Elle a toujours pas changé de fond sonore. Mais pourquoi vous aimez pas la musique de fond? Elle est relax, non? Ça va et toi? Bah ça va. C'était un petit peu compliqué, mais vous êtes au courant si vous êtes sur Discord, donc je ne vais pas me répéter. Mais ça va, dans l'ensemble ça va. Hello tout le monde, je vous fais un petit coucou avant mon cours d'anglais, bon courage pour l'examen. Coucou Clarikou, merci pour le petit coucou, ça fait trop plaisir. Arigatone. Ah, il y a une faute dans le... Attendez, je vais changer ça. j'ai pas perdu mes mauvaises habitudes, hein, vous croyez quoi? Ah oui, merde, j'ai inversé le N et le A. Hop là, c'est l'heure de l'examen de grammaire. Ah mais c'est bon, normalement. Ça va tranquillou bilou et toi? Bah ça va. Elle est très bien la musique de fond, mais on est d'accord Yukimi? Je comprends pas ce qu'ils ont avec cette musique, elle est normale. La première faute de la reprise. Oupsi. Il en faut bien une. Mais non, je pense pas à l'apéro. Non. J'en connais une qui va devoir remettre le réveil à l'heure. Non, mais en plus, je suis fatiguée, les gens. Ayez pitié de moi. Je reviens de 4 heures de travail et de révision. Très intéressant, hein. Mais je suis morte. Oh, merci beaucoup, Idril. Ah, ça m'avait manqué, pas manqué. Je ne sais pas savoir quoi dire. Merci beaucoup, Idril, pour le ressab. Je veux des clap, clap, clap dans les chats. Clap, clap, clap pour Idril. 5 mois consécutifs. C'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Aïe, 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 le réveil. Non, mais je me suis réveillée tôt ce matin. 8h, j'étais debout. Et j'ai bossé toute la journée. Toute la journée. Konbanwa, tout le monde. Konbanwa. La musique, elle est gravée à jamais dans notre tête. Bah, ça, c'est sûr. Hein. À chaque début, il y a la liée. Bah, après, il y a moyen. On fait un petit follow goal, je sais pas. Et on la change. On verra. Merci beaucoup, Idril, pour le sub. C'est super gentil. Faut débuter avec un train de hype là, bah non, non il faut pas non. Le but c'est de vous entraîner et de passer un examen aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup Ney, merci beaucoup pour le Prime, c'est trop gentil, 3 mois consécutifs. Arigato gozaimasu, tasukarimasu ne, arigato gozaimasu. Oh. Elle a une photo de mon chat pour la grande balimas. Mais oui, tout le monde m'a envoyé une photo de son chat aujourd'hui. Oh bah tiens, ça te donnera des good vibes, c'était trop mignon, trop mignon. Je vais des clap 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 les gens pour Ney, merci beaucoup pour ton prime, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je fais juste acte de présence ce soir, j'ai plus de motivation pour le japonais en ce moment. Oh non mince. Bah écoute, j'espère que ça reviendra, et si tu as besoin, on est sur le Discord. Hein. Attendez parce qu'il y a mon double menton qui est apparu.
Maïeu, on avait dit quoi? On avait dit non. Merci, merci Maïeu, arigato pour les 5 subs gif. Wouh, je veux des clap 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 dans le chat, clap 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 dans le chat pour Maïeu. Pour Maïeu. Nouvelle chanson, nouvelle chanson. Arigato Maïeu-san, arigato. Et du coup, tchou tchou, c'est le train de hype. Tchou tchou, c'est le train de hype. Vous êtes fous, mon dieu. Eh, je savais pas que vous aimiez autant les rentrées que ça, moi. Je vais faire des rentrées plus souvent. Ah non. C'est comme ça qu'on fait, je crois. Maïeu, en plus, dans mes sens avant. Merci, c'est trop gentil. Merci. Faites des clap, clap, clap dans le chat. Ah, alors, Girl Rock, bonjour, je suis une nouvelle abonnée venue du Québec. Waouh, tellement internationale cette chaîne, c'est un truc de fou. Bienvenue à toi, Girl Rock, du coup. Oh, je me suis décoiffée. Attendez. Ça me décoiffe, vous voyez, ça me décoiffe. Bienvenue à toi et merci beaucoup pour ton follow, du coup. C'est trop gentil. Coucou tout le monde, hein. J'ai du mal à dire individuellement, mais coucou, hein. Merci beaucoup, du coup, Kulei pour ton follow, c'est très très gentil. Follow, je t'ai kulete. Arigato gozaimasu, sur notre channel, et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et merci beaucoup, Tenzo Maho, pour les beats. Ah, oh, vous êtes tous adorables. Vous m'aviez manqué quand même. Hein. Vous avez beaucoup manqué. Ah non, attendez, parce que du coup, faut que je rattrape. Et on n'est pas censé faire le système de dès qu'il y a des subs, vous posez une question et j'y réponds. Sinon, je me sens trop redevable. C'est pas des questions. Ça se voit que t'es fatiguée. Ah, mais... Comment allez-vous depuis si longtemps? Oui, bah là, ça fait une semaine et demie hein, que je n'avais pas de live. Du coup, ça va, tranquillou. Comme une reprise. Non, mais les escorts, tu as vu le nombre de personnes beaucoup trop pour moi. Mais il n'y a pas tant de personnes actives que ça, hein, Idril. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Beaucoup. Les rentrées, oui, les examens, moi. Mais c'est bien les examens, je vois pas. Exact quoi. Je dis ça, et c'est là où en général il y a le plus de monde. Étrangement. Et du coup, bonjour à tous les nouveaux. Je viens de voir qu'il y avait eu plein de follow. Aujourd'hui, j'ai fait un peu la pub de la chaîne sur les réseaux sociaux. Du coup, merci, merci, merci beaucoup pour tous les follow alors que je n'étais pas en live. Ça fait vraiment très, très plaisir. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Et je vais profiter des quelques minutes qui restent du train de hype pour expliquer un peu le principe de la chaîne pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. Hein. Donc, moi, je m'appelle Candice, alias Candy. D'où ça sort? Pour fêter la rentrée et surtout mon retour sur la chaîne. Merci. Merci, merci. Je veux des clap 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 les gens. Des clap 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 dans le chat. Tout de suite. Pour Kiki-san. Merci. Quoi? Non. Merci. Non, arrêtez. Je suis déjà en PLS, s'il vous plaît. Non, arrêtez. Please. Please. Vous voulez... Non, mais je comprends. Vous voulez me laisser plus de temps pour que je présente la chaîne aux nouveaux. C'est gentil pour les nouveaux. Je comprends. Merci, le niveau 3 est terminé. Ah, trop bien. Ça faisait longtemps, tiens, dis donc. J'apprends aussi le japonais. Konnichiwa, namae wa Sabrina. Ah, Sabrina. Watashi wa... Alors attention, Girl Rock, du coup, faudra refaire ta phrase, mais c'est Konnichiwa. Namae wa H-A. Faut que t'écrives H-A pour avoir la particule. Et Sabrina des. Le reste, c'était bon. Et du coup, donc je disais... Attendez, je rattrape le chat un petit peu. Ça y est, je... Non! Je perds le contrôle, là. Il se passe des trucs, je comprends pas. Attendez. Je peux rattraper, s'il vous plaît. C'est pas gentil de me mettre en PLS comme ça. Vous le savez en plus, vous le savez. Alors, attendez. Si ça se dérange pas, je resterai. Mais je rends pas trop. Oui, alors, pour tous ceux qui débutent en japonais. Alors, attendez. Non, je fais mon explication de chaîne, les débuts de japonais. Coucou tout le monde. Je vois le train de la hype et je sais pas pourquoi. Attendez. Plein de follow, ça marche bien pour le futur goal. Mais oui, Grim. Du coup, le futur goal, il y a 2000. Et la traduction d'opening, elle va être...
avant les vacances d'été, c'est sûr, je pense. J'ai pas été sur le Discord pendant quelques jours, et quand j'ai remis le nez sur le Discord, que des nouveaux. Ils m'ont fait peur, mais ils sont gentils. Et ils sont gentils, ils parlent pas. Excellent, tu vas pouvoir nous offrir la sortie de classe au Japon. Et un jour, et imaginez un jour sortie de classe tous ensemble, on va tous au Japon, ce serait trop bien. Non mais oui, Wasabi, déjà le train de live. Et toi, tu renchéris avec des soeurs. Merci pour le sub, Kim, c'est trop gentil. Merci du coup pour Eliasis. Merci beaucoup pour il ou elle. Pour une fois que c'est la prof qui est en PLS pour la rentrée, pas les élèves, je vous jure, les gens vont me tuer. Ah, c'est ouais. À renouveler l'abonnement. Merci du coup, Wasabi, pour le renouvellement également. Je vais des clap, clap, clap. Attendez, hein, nous, on les voit pas. C'est ça, c'est ne pas faire de live. J'étais en vacances, les gens. Je vous ai tant manqué que ça. C'est pour me montrer que je vous ai manqué, c'est ça, ce train live. Bonsoir, c'est quand que ça commence? Je comprends pas. Alors, pour tous ceux qui arrivent sur Twitch, il faut savoir que c'est assez chill. Hein. Les cours, on parle assez souvent et on fait des cours. C'est-à-dire que là, c'est le temps d'introduction. Il y a toujours un petit quart d'heure où le temps que tout le monde arrive, voilà, on papote. Il y en a qui s'amusent à lancer des trains de live, n'est-ce pas? Et pendant ce quart d'heure, bah juste on chill, voilà, on se détend tous, voilà, tranquille, posé. Et dès que ce genre d'événement est fini, alors on peut commencer le cours. Sachant que aujourd'hui c'est un examen. Hein. Voilà. Tu as besoin qu'on fasse des présentations pour toi, 10-30 minutes que les. Ouais, dans 10 minutes, dans 10 minutes, ça va commencer, un peu moins. Mais oui, ça serait le feu, Niel, une sortie de classe, ça serait trop bien. Naruhodo, et Mike, mais chut. Merci beaucoup, Valesika-chan, pour ton follow. Follow shite kurete, arigato gozaimasu. Sur notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu, d'où viens-tu et comment nous as-tu trouvé? Et du coup, ces trois questions-là, je pose à toutes les personnes qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à y répondre. Je suis vraiment curieuse. Quand je vois des pseudos, j'aime bien savoir un peu la vie des gens. Bon, soit. Est-ce que c'est dérangeant? Non. Enfin, si ça l'est, vous répondez pas. Oh là là. Non, c'est bon, je passe en coup de vent. Depuis une semaine, il y a trop de monde, vraiment. Oh non, il drille. Nadé. Encore un examen? Mais c'est tous les trois séances. Trois séances, un examen. Tout le temps. J'ai vu le post sur un groupe Facebook, je suis du Québec, je viens de follow. Oh, merci beaucoup, du coup. MS Patimali. Ah, trop cute comme pseudo, j'adore. Merci pour ton follow. J'espère que tu te trouveras une petite place parmi nous. Et du coup, maintenant que j'ai rattrapé le chat, que je présente un peu la chaîne. C'est bon, il reste 30 secondes de train live, c'est parfait, en 30 secondes, c'est bouclé. Donc, je m'appelle Kindi Sensei, c'est comme vous voulez. Je suis actuellement en première année de master en didactique à l'université de Lille. Et mon objectif professionnel, c'est d'avoir le diplôme du CAPES, voilà, pour enseigner le japonais dans les écoles publiques, les collèges et les lycées, entre autres. Et depuis plusieurs mois maintenant, je donne des cours gratuits sur Twitch, ce que vous allez assister aujourd'hui, et on travaille la grammaire, on fait des exercices associés à cette grammaire et on travaille les kanji, sachant que au tout début de la chaîne, merci beaucoup les gens pour le train live. Ah, arigato. Arigato. Arigato ne, anata mo shigoto ganbatte kudasai ne. Taisetsu dakara, ganbatte kudasai. Donc je disais, merci encore pour le don, c'est trop gentil, merci beaucoup. Donc, toutes les semaines, on a un cours de grammaire, un cours d'exercice et un cours de kanji. Et avant ces cours-là, on avait des cours de kana, shiragana et katakana. Et tous les cours qui ont déjà eu lieu sur la chaîne sont disponibles sur YouTube. Donc pour tous les nouveaux, si vous avez un petit niveau, alors si vous avez quelques bases, alors vous allez pouvoir suivre les cours comme il faut et rattraper en parallèle les cours qui sont passés. Mais pour ceux qui n'ont aucune base en japonais, alors il faut rattraper votre retard avec les rediffusions sur la chaîne YouTube. Il y a des catégories. Vous devez d'abord connaître vos hiragana, puis vos katakana, et ensuite vous avez du coup les cours de grammaire et de kanji qui sont leçon par leçon. Vous avez juste à suivre l'ordre de la playlist. En plus de ça, Mayu a mis la commande, vous avez le Discord. Le Discord, c'est l'endroit où toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne, en fait, dans le chat,
sont également sur le Discord et c'est un groupe d'entraide en fait, c'est un peu comme sur Facebook, hein, mais version Discord où toutes les personnes qui veulent apprendre le japonais ou aider les gens à apprendre le japonais peuvent se réunir, parler entre eux, poser des questions, etc. etc. Donc n'hésitez pas à regarder les replays sur la chaîne YouTube s'il y a des cours que vous avez loupés. Deuxièmement, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que en regardant ces cours, vous allez peut-être des fois avoir des questions et dans ce cas-là, vous allez pouvoir les poser sur Discord. Moi, j'y suis tous les jours, je regarde le Discord. Donc tous les jours, je regarde s'il y a des questions ou quoi. Si elles n'ont pas été déjà répondues, des fois, j'essaye de prendre du temps d'y répondre. Et troisième chose, et là, c'est le petit bonus, j'ai écrit l'année dernière un manuel qui est dédié à l'apprentissage des hiragana et des katakana. C'est la chose que vous devez savoir avant de commencer quoi que ce soit en japonais, c'est savoir lire et écrire les hiragana et les katakana. Et donc si les cours vous plaisent, que vous ne connaissez pas vos kana, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et si le bouquin vous intéresse, à soutenir la chaîne en le commandant. Voilà, c'est le petit instant pub. Avez-vous des questions? Les nouveaux comme les anciens, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence l'examen d'aujourd'hui? Je rattrape un peu le chat du coup. Salut, j'arrive et j'entends des bonnes nouvelles. Mais oui, Rino. Ah non, Barmak, il est plus sub. Zanen. C'est pas sérieux, ça qui dit. Je suis là depuis la semaine dernière, c'est juste que j'avais rien compris à ce qu'elle avait dit tout à l'heure. Ah, Nalurodo. Ah, c'est vrai, Grim, t'étais pas encore abonné à la chaîne YouTube. Ça, c'est pas grave, je t'en veux pas. Eh oh. Merci, Wasabi. Merci pour le sub gif. Je veux des clap dans le chat. Clap dans le chat. Merci pour Barmok, c'est trop gentil. Merci. Alors attendez, oui, c'est le début du live, c'est toujours un peu bazar. Mais c'est pas bazar, on papote. On n'a pas le droit de papoter. Papoter, c'est bazar. Ah non, hein. Je pensais que tout le monde était à beau. Mais moi aussi. Mais apparemment, non. mais je suis là depuis la semaine dernière. Non, c'est juste que j'ai rien compris. Naruhodo. Coucou, ici ça, 55. Comment vas-tu? Genki desu ka? J'adore les japonais et je serais contente d'être là. Mais merci beaucoup. Ah, j'adore ce genre de commentaires. Genre, les gens, ils arrivent, ils me connaissent pas. Ils sont en mode, oh, ça, c'est trop bien. Je vous aime aussi, les gens. Dès que vous mettez un commentaire dans le chat. Ah non. Ah, Ina, je pense que je vais suivre de loin aujourd'hui. Atama ga itai no et faut prendre un doliprane. Ah non, kusuri o nande kudasai yo. Prendre un médicament. Mais il y a toujours une bonne ambiance ici. Non, Mayu, je viens de la lire dans le commentaire. Non, c'est pas un appel du tout, pas du tout. On verra ce que tu diras à tes élèves quand tu auras le capes. Te diront, c'est pas le bazar, on papote. Ouais, mais c'est moi qui fais papoter. Du coup, on a le droit. Vu que la prof dit oui. Ah, coucou Maeva, Isashibuli, comment tu vas? Ceux qui veulent juste faire acte de présence, j'ai gardé des places au fond de la classe. C'est vrai, il y a toujours ceux au premier rang et ceux qui sont derrière et qui regardent leur téléphone. Hein. Moi, tant pis. Hein. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Wupsi, pour ton follow, c'est trop gentil. Follow, j'étais coulée, t'es arigato gozaimasu. Annonçons notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Mais Mayu, on avait dit non. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai dit non. Merci pour Maeva, c'est trop chou. Merci beaucoup. Je vais des clap dans le chat. Clap dans le chat. Sensei qui a tous les pouvoirs, toujours pareil. J'aime pas l'autorité. D'où j'ai de l'autorité, moi? Je vais étouffer. Ah, naruhodo, Kiki-san. Wakatta. Vous faites partie du fond. Ok. N'hésite pas quand même à parler dans le chat, hein. Sinon, peut-être me sentir seule à un moment donné. Si tout le monde va dans le fond, ça promet. Oh mais non, Idril, je suis sûre qu'il y a des choses, tu peux y arriver. Je suis sûre. En tout cas, je vois les cours sont super bien rangés sur YouTube, ça fait plaisir. Faudra pas aller chercher. Oui, Grim, sur le Discord et sur YouTube, quand j'ai fait le rangement, j'ai tout mis à jour. Avec des miniatures, les titres, etc. etc. Donc maintenant, il n'y a plus de galère. Il n'y a plus de galère à devoir rechercher par-ci, par-là et tout. Etc. etc. Merci beaucoup, Miss Andri. Merci beaucoup pour ton follow. Follow stikulete arigato gozaimasu. Ah non, sono... Channel et Yokoso, bienvenue sur la chaîne. La seule chose que je sais dire,
D'accord, Maïeux. Merci. J'ai bien fait de ne pas lire jusqu'à la fin, j'imagine. Arigato, Maïeux-san. Modo, arigato gozaimasu. Bon, sinon les gens, et si on commençait? Ça y est, il y a eu le bon quart d'heure d'introduction, comme d'habitude. Alors. Moi non plus, j'ai... Ah, merci Mayu, du coup. Arigato ne. Tasukarimasu. Arigato gozaimasu. Donc, aujourd'hui, on va faire, si je ne me trompe pas, 5 exercices qui vont vous permettre de voir si vous avez maîtrisé les éléments que l'on a vus de la leçon 1 à la leçon 10. Chaque examen fera le récap de toutes les leçons antérieures pour vous permettre à chaque fois de tout revoir et un peu plus, évidemment, les dernières leçons. Là, les dernières leçons, c'était la conjugaison et les particules de temps et de COD. Je viens de manger un cookie, je regrette. Pourquoi il était pas bon? Il était pas bon, le cookie. Moi, j'ai des ganas et katakana, mais c'est les lives sur les particules que je n'ai pas pu tout suivre. Ah, wakata, Kiki-san. Pour me rendre nul comme moi de faire quelques points. Mais vous êtes pas nul, c'est pas vrai. Il faut juste du temps, un peu de temps. Donc, on va commencer avec des exercices qui vont utiliser l'extension sondage. Donc ça, comme d'habitude, je dois faire les petits préparatifs. Hein. Hop. Hop. Attendez deux secondes. Hein. Et la bonne réponse. 1, 2, 3 et 4. Donc. Pour ce premier exercice, alors attendez, je me perds dans mes onglets. Pour ce premier exercice, vous avez le choix. Oh, merci beaucoup pour le pitch, wasabi, sondage. Qu'est-ce qu'il y a, Kalinos? Ah oui, faut tester, hein, faut tester. Mais non, vous n'êtes pas des types touristes, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, vous allez à chaque fois avoir 4 possibilités de réponse, et à chaque fois, ce sont des phrases à trous. Et vous avez juste à compléter correctement les trous. Et donc ici, première question, je lis la phrase, je mets le sondage et vous pouvez y réfléchir, d'accord? Donc, Mayasa, koko wa, nani nani, juice, nani nani, nomimasu. Et je lance le sondage pour 2 minutes. C'est parti. Donc selon vous, est-ce que c'est la... Merci beaucoup Japan Kanke pour le subki. Je vais des clap 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 dans le chat, clap 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 pour Japan Kanke. N'hésitez pas à follow, il fait des cours de japonais. Merci beaucoup. Ah, vous êtes adorable, mais qu'est-ce que vous avez? Je vous ai tant manqué que ça. Donc, merci beaucoup, merci, merci. Merci pour Anto, hein. Non, c'est pas les 4 réponses les bonnes, Kalidors. Donc là, vous avez le choix. Soit ya ga no ga to o ou no o. Mayasa koko wa juice nomimasu. Alors, j'attends la moitié du temps et je vous donne le vocabulaire. Mayasa, c'est tous les matins. Koko wa, merci pour les bits. Merci. Tellement vite. Arigato gozaimasu. Tasukarimasu. So, cocoa, c'est chocolat chaud. Juice, c'est du jus de fruit. Nomimasu, c'est le verbe nom, boire. Ah, wakata kalinours. Hai, eja, ganbatte kudasai. Ganbatte pour ton dessin, du coup. Alors là, on est mitigé entre la réponse 3 et la réponse 4. Nandaro ne, nandaro. Du jus de cacao, ça n'existe pas. Non, parce que cocoa, c'est pas du cacao, c'est du chocolat chaud. Mais quelle rentrée, mais oui. Vous m'aviez manqué, les gens. J'avais peur que vous soyez partis.
mais vous n'êtes pas parti. alors, selon le sondage, la réponse selon vous est la réponse 3. Mayasa cocoa to juice o nomimasu. Et pour 12 personnes, des personnes qui ont voté, ça serait potentiellement Mayasa cocoa no juice o nomimasu. Et la bonne réponse ici, évidemment la troisième, parce que comme a dit Ishtaris, hein, le jus de chocolat chaud, ça n'existe pas. Donc ici, vous devez mettre la particule to de la liste non exhaustive, cocoa to juice du chocolat chaud et du jus de fruits, plus o, la particule du COD, qui va avec le verbe nomimasu, évidemment, hein, vous buvez quoi? Vous buvez cocoa to juice du chocolat chaud et du jus de fruits. Pour les personnes qui ont répondu no, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est pas possible? Est-ce que ça va? Jus de cacao égale chocolat chaud. C'est quand même très, très bizarre, mais soit. Soit. Ça existe du chocolat chaud au jus de fruits? Bah, je pense que le chocolat chaud à goût fraise et banane, genre des trucs comme ça, ça existe, j'en ai déjà vu. Mais au jus de fruits, non. C'est comme les jus de fruits à base de lait, genre. Non, c'est pas très bon. Le badge des 25K est bientôt à moi. Non, Mayu! Quoi? T'es aussi proche que ça? C'est pas possible, hein. Mayu adore les badges. Bah là, ouais, clairement. Le Danao, Berk. Non, mais oui, on est d'accord. En plus, Mayu, les mottes de 25K, c'est la fille qui boit du milk. Elle est très cute, elle est très très cute. De quoi seulement? Madide, non, hein. Tu donnes trop d'argent sur cette chaîne, c'est pas possible. Plein de sucre pour bien commencer la journée, oui. Donne l'argent. Non. Bon, j'imagine que c'est bon pour tout le monde. Si vous avez des questions, mettez, et seulement si vous avez des questions, sinon c'est ban temporaire évidemment, mettez @apprenonsjaponais pour que je les vois ressortir avec la question que vous avez au cas où, d'accord? Si pas de questions, on passe à la question numéro 2. Kino Amali Nani Nani Nani. Et donc je vous laisse lire les réponses et je remets un sondage. Et c'est parti pour 2 minutes. Au niveau des réponses, soit tabemasu, tabemasen, tabemashita, tabemasen deshita. Et donc, selon vous, quelle serait la bonne réponse? Kino, Amali, Nani Nani. J'attends que la moitié du temps soit écoulée pour vous donner potentiellement le vocabulaire, si on a besoin. En 2-3 lives, c'est plié. Je regarde un peu pour Maeva, bah oui, carrément. Oups, Maeva. Il y en a deux qui sont possibles, non? Non, une seule bonne réponse à chaque fois. Alors attendez, j'attends que on arrive à 1 minute et je vous donne le vocabulaire. Je vois pas la réponse Nani Nani, du coup réponse 5. Donc, Kino, ça veut dire hier. Amali, ça veut dire peu. Et vous avez ici la conjugaison à la forme polie du verbe taberu, manger. C'est moi qui spoil, j'avoue. Attends la fin du sondage. Please. Oh, Isashibuni Jojoka. Coucou. Bon, j'ai plus vraiment le temps en ce moment, mais j'en passe en speed tel nombre. Mais merci. Je vais des clap 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 dans le chat. Clap 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 pour Jojo. Et son 5e mois d'abonnement. Arigatone, comment tu vas Jojo? Ça date? C'est quand que tu m'envoies tes devoirs là? C'est quand? Quinoa, céréales également au boulgour. Merci Ishtaris pour cette blague de qualité. Alors du coup, ici, presque majorité des gens pensent que la bonne réponse est la 4e. Tabemasen deshita. Et il y a 4%
des personnes qui ont répondu qui se disent que peut-être c'est tabemasen. Et donc ici, on n'a qu'une seule bonne réponse, évidemment. Et la réponse, c'était bien la quatrième. Kino, amari, tabemasen deshita. Kino, amari, tabemasen deshita. Et pourquoi? Pourquoi on ne peut pas juste mettre tabemasen? Parce que ici, on a un élément temporel hein, qui nous aide, c'est kino, hier. Et donc, comme Saïma nous l'a dit, c'est forcément du passé. Et donc, déjà, c'est sûr, c'est du passé, parce qu'on a kino. Et on rajoute à ça, du coup, pourquoi t'es pas d'accord, Wasabi? Pourquoi t'es pas d'accord? Et on rajoute à ça, du coup, la négation, parce que amari. Amari plus négation. C'est comme zen zen plus négation. On l'avait vu ensemble avec les adjectifs, mais du coup, ça me permet de vous dire que vous pouvez également l'utiliser avec les verbes. Un adverbe, c'est pas que réservé aux adjectifs, c'est aussi utilisé pour les verbes. Je demande à l'opératrice 60 qu'elle te le rappelle. Quoi? J'ai pas les rêves, les gens. Expliquez-moi. Devoir, je connais pas ce mot. Si, tu connais. Si. Amali, ça peut aussi s'utiliser au positif. Amélie, t'as belu? Amali, t'as belu? Je l'ai jamais entendu, Wasabi. Hein. Tu l'as vu où? Comme quoi, Amali, on pouvait l'utiliser avec du positif. Et donc, Kino, Amali, tabemasen deshita, c'est hier, je n'ai pas trop mangé. J'ai peu mangé. Hier, j'ai peu mangé. J'ai pas trop mangé. Autant zen zen, je sais qu'il y a des cas où on peut mettre du positif, hein, sans trop, même si c'est parce qu'on le voit le plus souvent. Mais comment on donne des bits? On peut pas. On peut pas. Dame desio. C'est parce que tu ne viens pas sur les lives de Jojo. Ah, n'allez vous donner. Ben non, parce que Jojo, il stream toujours le soir. Et moi, je suis pas sur Twitch le soir. Ah, wakata wasabi. Eh ben, est-ce que tu pourras m'envoyer ça en MP, du coup? Un mali au positif, à part pour dire à ta femme que c'est dégueulasse, tout en souriant et en priant pour gagner qu'on ne pas le japonais. Sinon, je vois pas quoi. Donner argent, Maëva, je te jure. C'est pas possible. Donc, pour moi, je vais voir si Wasabi me donne un contre-exemple, hein, Amali plus positif, mais pour moi, Amali, on va dire du coup 99% des cas, c'est de la négation. C'est de la négation, comme Zen Zen, ce serait souvent de la négation. Très 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 souvent. Je dis pas que ça existe pas, hein, mais là, dans ce genre de phrase, c'est... Attendez, je vais regarder aussi, hein, parce que moi j'ai le doute. Je ne sais pas tout, malheureusement, d'autant plus que je ne suis pas japonaise, mais... Dès qu'on cherche Amali plus un verbe, ils vont nous le mettre en aïe. Hein. C'est genre très très fréquent. J'ai entendu un bruit. Merci pour les bits, Mayu. So desne, Saïma. So desne. Après, il y a forcément des exceptions, d'autres points de grammaire. Mais pour celui-là, en tout cas celui qu'on avait vu en cours, vous savez qu'Amali, c'est avec de la négation. Maïe, fais genre tu montes l'exemple. Ah, aligato ilonanako, aligato gozaimasu. J'ai peu mangé. Si Ney, ça marche parce que Amali c'est pas beaucoup, hein. Peu, pas trop. Donc en français ça marcherait. Ah, merci beaucoup pour les bits. Merci tout le monde. Clap 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 dans le chat. Là, je dirais que ton hymne de CB à apprendre japonais, ça fonctionne aussi. Vous savez, les gens, que je rebondis, hein, et après je passe à la question suivante. J'ai encore fait une bêtise, je crois. Qu'est-ce que t'as fait, Mayo? Qu'est-ce que t'as fait? Tu me fais peur. En français, tu dirais peu, mais en Mali, c'est pas peu, c'est pas beaucoup. Un souvenir. Ma tashikani ne, Saima. Tashikani. Vous savez que vous avez tellement été généreux que je vais enfin pouvoir me permettre d'acheter tous les manuels de japonais que je voulais.
rien qu'avec le mois de Twitch dernier, qui n'est pas encore tombé, mais du coup, merci les gens. Je vous ferai un haul de tous les manuels que j'ai achetés grâce à vous. Au pire, il y a les dons PayPal, mais... non, 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 non. Mais voilà, j'en profite parce que du coup, avec cet argent-là, j'ai réinvesti pour la chaîne dans des manuels. Donc, j'ai pas encore passé commande, je dois le faire, mais je vous ferai un haul de tout ce que j'ai acheté, de vous présenter les manuels et tout. Voilà. Oui, vidéo haul manuel, exactement. Et je pourrais vous présenter aussi ceux que j'ai pour moi et tout. Vous avez été tellement généreux que j'ai ouvert un compte en ligne pendant les vacances. Non, non, non. Bonne soirée, Jojo, merci d'être passé. Arigato ne, arigato. Bon, soit. Question numéro 3. Watashi, nani nani, ji, nani nani, ikimasu. Je vous laisse regarder les réponses. Et en attendant, je vous mets le sondage. Quand j'entends ce bruit. Et je vous laisse 2 minutes. Qui dois-je remercier ? Maïe. Arigato ! Arigato, Maïe ! Merci pour les bits, encore une fois. Félicitations les gens pour vos dons. Merci, merci. Maïe, sachant que tu es certainement le top 1. Le top 1 avec... et Dale Data. Ah non... Il y a SU forcément dans le top. Mais à cause du sondage, j'ai plus les trucs des cadeaux, c'est pas grave. Vous avez été tellement généreux que je suis allée en vacances la semaine dernière, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu cours. Non, j'étais chez moi, j'ai dû taffer, si tu savais, Maëva. Oh. Tu vas dévaliser Junku, ouais, exactement. J'ai mon petit panier là, il y en a déjà une dizaine. Sans dessiner. Au niveau vocabulaire, là, à part ikimasu, iku, le verbe aller, le reste, vous le savez, normalement. Et donc, vous avez le choix entre soit wa, ga, ou mo, ni, ha, wa, ka, ou mo, o. Selon vous, pour l'instant, on est sur soit le 1, soit le 2. Nandalona. C'est dommage, je peux plus faire service livraison. Ouais, j'avoue, du coup, outé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, j'étais en vacances dans le sud de la France la semaine dernière. J'ai fait plein de motos, donc peu de japonais. J'habite à Nice. Ah, naruhodo ne? Naruhodo parmok. Ah, ina. Oh, merci beaucoup, Rosely 2021 pour ton follow. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Ano sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? Je vais aller à Paris dévaliser les bébés. Ah, moi aussi. Maëva, viens, on y va à deux. Viens, on se fait une virée bubble tea. Moi, je suis allée chercher du pain la semaine dernière. C'était ma sortie de la semaine. Anto. Vas-y. Non, mais j'ai trop envie. Hein. J'ai envie de sortir en ce moment. Il faut que je me libère la tête, là, de tous les problèmes que j'ai. Et dévaliser Paris. Et du coup, bah, c'est bien. Et les bubble tea. C'est cool, les cours que tu donnes. Ah, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci. J'adore vraiment. Vous, les gens qui venez à peine de follow et vous lâchez ce genre de commentaires, vous êtes dans mon cocolo. Hein. Faut que je fasse du temps à Paris aussi, mais pas pour les bubble tea. Ah, allez, redonne. Donc, pour cette question, la majorité pense que c'est la réponse 2, autrement dit, Watashi mo juji ni ikimasu. Et il y a quelques personnes qui pensent que c'est Watashi wa juji ga ikimasu. Et la réponse était la réponse numéro 2. Donc les gens dans le chat, pourquoi on met ni et pourquoi on met pas ga? Est-ce que vous pouvez m'expliquer à ceux qui se sont trompés? On bouge juste pour un bubble tea de qualité, tu m'étonnes. Moi aussi je trace à 10 ça. Sodesne. Ici, juji, c'est du temporel. Et du temporel en plus chiffré. Donc, forcément, ni. Vu qu'il va avec le verbe ikimasu. Si ça avait été des, alors il n'y aurait pas eu de particule du tout. Hein. Mais là, vu que ça va avec un verbe de déplacement, aucun problème. Ni. Juji ni ikimasu. Et là, c'était juste mon mot. C'était
pour vous troubler un petit peu, au lieu de dire watashi wa, un petit watashimo, la particule aussi, et voilà. Parce que c'est le verbe aller. J'ai fait une razzia chez Aki. Oh là là, Maeva, tu me donnes envie. Non, pour le spécial manager, en tant que belge, Maeva, je sais pas où je vais devoir le faire. J'envoie mon dossier au Japon cette semaine. Ah, Ganbatte, Barmok. Ganbatte, ne. Chez moi, pas de librairie spécialisée sur le japonais, alors pas prête de dévaliser quoi que ce soit. J'ai déjà les livres vendus à Cultura. Ah bah, c'est déjà ça, Idril. Hein. Ga, c'est la particule du sujet. Particule du sujet. Donc, en effet, c'est un moment précis dans le temps. Très bien, tout le monde. Très, très bien. Ça, je vois que c'est bien appris, c'est bien géré. On passe à la suivante, du coup. Kyo wa sangatsu nani nani des. Et là, c'était la révision du vocabulaire. Alors, comme d'habitude, je mets le sondage. Hop. Et c'est parti pour 2 minutes. Alors, est-ce que c'est Hachinichi, Yoka, Yoka, Yoka? C'est lequel? Pour dire le 8. Kyo, hein, Kyo, c'est aujourd'hui. Sangatsu, c'est le troisième mois, donc mars. Et ici, vous avez la bonne réponse pour dire le 8e jour du mois. Il drille. L'instinct aide beaucoup, hein. Faut vous fier à votre instinct des fois. Il a la bonne réponse. Hein. Il a souvent les bonnes réponses. Je triche sur toi si tu veux bien. Alors, quelle est la réponse selon vous? Oh, est-ce délire, Isashibuli? Merci beaucoup pour le resub, 7 mois d'abonnement dans 6 mois consécutifs. Je veux des clap 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 dans le chat, clap 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 dans le chat. Vous avez commencé le cours en avance, ça dégoûte. Quoi, c'est un quart retard. Non mais oh. Le sondage a démarré normalement, là ça fait plus d'une minute. Ah, est-ce que vous vous souvenez du vocabulaire? C'est parce que Yukimi sait que je suis nulle avec les compteurs des jours du mois. Narihodo, Anton, narihodo. Ah, c'est bien, Marmok. C'est bien. Il sait plus le vocabulaire. En plus, je vous avais mis le piège. Évidemment, genre, évidemment. Mais vous inquiétez pas, hein, parce que demain, à 18h sur le Discord, il y a une session de révision des candies à 18h, si vous voulez. On va tout réviser, les 6 semaines. Donc, si vous êtes en retard et que vous voulez réviser pour l'examen de mercredi, demain, rendez-vous à 18h sur le Discord. Je vous le dis, hein, vous êtes au courant. Alors, 75% des gens pensent que c'est Yoka. Et 25% pensent que c'est Yoka. Alors, en effet, les deux existent. Sauf qu'il y en a un qui veut dire le 8e jour et il y en a un qui veut dire le 4e jour. Et la réponse était le 2e. Bien joué tout le monde. Yoka, Yoka. Bonsoir, je suis arrivée suite à la publication sur les pages Facebook. Les séances se suivent sur la semaine. Oui, 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 blu, blu, blu. Trop cute comme pseudo, je valide. Alors, on a une semaine normale. C'est tous les lundis, mercredis, jeudi à 18h30 sur la chaîne Twitch. Lundi grammaire, mercredi kanji, jeudi exercice. Et quand on est dans des semaines d'examen, comme cette semaine, on n'a que 2 cours. Le lundi, examen de grammaire, et le mercredi, examen de kanji, toujours à 18h30. Et il y a souvent des activités sur le Discord, donc pour tous ceux qui n'y sont pas encore. Ah mince, j'ai mis le 3 mars, non mais c'est pas possible. C'était le 8, évidemment, c'était le 8. Excusez-moi. Donc, voilà. Ouais, je sais, arrêtez, me le dites pas, j'ai vu. Sumimasen, sumimasen. Ah, je me suis trompée. Sumimasen. Mais c'est pas grave, ce qui porte, c'est ce que je dis. Ah, sumimasen, ne. Non, mais il n'y a pas de bons cours sans des petites fautes dans des diapos de candy. Vous le savez depuis le temps, non?
Et donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, tous les cours qui ont eu lieu depuis l'année dernière, ils sont tous disponibles en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube Kindy no Sekai. Donc, n'hésitez pas, si vous avez du retard, à les regarder petit à petit, à prendre des notes, etc. Et pour tous ceux qui sub à la chaîne, du coup, j'en profite, vous avez accès, en fait, à des salons réservé au sub, où tous les cours sont classés et où il y a tous les diaporamas des cours avec les exercices, etc. Donc ça c'est le petit plus de la chaîne. Si vous la soutenez en vous abonnant, vous avez aussi droit à ces petits bonus sur le Discord. La faute du cours, c'est quand il n'y en a pas qu'on s'inquiète. Ben oui, quand il n'y en a pas, c'est que c'est pas moi qui ai fait le diapo. Hein. Merci pour tous les liens. De rien, blu blu blu. Ah là là. Ah, Ezum, d'accord, shit. Attention, c'est pas à cause de la journée des droits de la femme, sérieux? Mais non, c'est une blague. Mon mnémotechnique 4 est avant 8, Yoka est plus court que Yooka, donc Yoka égale 4. Ah, c'est pas bête ça, Marmotte. Bon, moi ça fait longtemps que je les retiens, mais pour ceux qui ne les retiennent pas encore, c'est pas mal. Oui, c'est ça, Barbok. Un Anonymous Cheerer. Qui es-tu? Merci. C'est quoi ce badge? C'est quoi? Merci beaucoup pour les beats. Comment vas-tu, un Anonymous Cheerer? Est-ce qu'il va répondre? Je sais pas, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, autant les sub-gifs anonymes, ouais, mais les beats anonymes, je connaissais pas. Il est bien ce badge, j'aime bien. Soit. Question suivante. Oh merde, j'espère que vous n'avez pas vu la réponse. Shit. Sika, nani nani. Lingo, nani nani. Amai desu. Et donc, comme d'habitude, je vous laisse lire les réponses et je prépare en attendant le sondage. J'espère que vous n'avez pas vu la réponse. Oh, la boulette, la boulette. Et vous avez 2 minutes. Donc, noho hodo. Wa to onaji gurai wa hodo u to yori. Qu'est-ce qui convient le mieux ici? Nani ga ichiban ii desu ka? Oh, merci pour le beat. Mais j'aime pas ne pas savoir qui soutient la chaîne. Déjà que ça, je me sens gênée à chaque fois de ne pas pouvoir vous remercier comme il se fait. Vous soutenez tellement le projet que à chaque fois je suis en mode, mais j'ai l'impression de. Bref, je ne sais pas. Et en plus, quand je sais même pas qui vous êtes, ça me frustre tellement. Je devais vous laisser, je vais bientôt dîner. Bonne soirée à tous, matane. Merci à toi, Destiny. Merci d'être passé. Arigato ne. Alors, niveau vocabulaire, merci encore à notre cher anonyme. Mettez des clap, clap, clap pour les bits anonymes. Merci beaucoup. Donc, le vocabulaire. Suika, la pastèque. Lingo. Pomme, amai, adjectif en i qui veut dire sucré. J'ai des devoirs à faire de mon côté. En plus, je sais pas si je pourrais être de retour avant la fin. Ah, ganbatte Rino pour tes devoirs. Ganbatte kudasai ne. Ganbatte kudasai. Moi, ça va, je suis contente, j'ai eu des bonbons. Mmh. Ah, j'en ai des bonbons en plus là. Et Ezrim, le sachet qu'on a acheté, il est presque vide. Mais ça fait longtemps. Ça fait 2 semaines. Ça va. Ah! Coucou Charlotte, comment tu vas? Isashi Vini. Les gens, la dernière fois, je suis allée sur sa chaîne, comme promis. Et elle est tellement adorable. Elle arrêtait pas de dire que j'étais adorable. Du coup, elle est encore plus adorable. Donc les gens, allez follow cette gentille demoiselle que j'aime beaucoup. Qui est vraiment très cute aussi. N'hésitez pas à follow en masse. Très gentille demoiselle, Kalaï. Oh là là, j'ai fini les deux. Quoi déjà, Esu? Non, c'est pas possible. Oh, merci beaucoup Kamiyu1 pour ton follow. Follow shikurete, arigato gozaimasu, sur notre channel et yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Coucou Natsuki, comment tu vas? Ah, MDR, tu es trop mignonne. Ah, merci. Oh mon dieu, je suis désolée, hein, je viens jamais, juste parce que je vais jamais sur Twitch. C'est pas toi, hein, c'est que je vais pas sur Twitch en ce moment. Mais un jour, je reviendrai, je repopperai comme par magie, tel un ninja.
Concours de compliments, on est chez les bisounours ici en fait. Ben oui, mais elle est gentille. Moi, j'y peux rien. Les gens gentils, ils sont gentils, tu vois. Les streameuses de mignonitude. T'as une moitié nobby, c'est tellement ça. Après, j'ai un peu triché, j'ai partagé avec mes colocs. Ah oui, donc c'est pour ça, t'as pas tout mangé. Mais non, moi, ne sois pas du tout désolée. Jamais, on fait comme on peut. Je suis pas du tout regardante. Ah, naruhodo. Wakatta, yokatta desu. Bon, sinon. Alors là, la majorité des gens pensent que c'est to et yori. Suika to ringo yori amai desu. Je crois qu'il faut que vous révisiez les comparatifs. Ça serait bien, non? On va faire un par un. Suika no ho ringo hodo amai desu. Ça, pourquoi ça marche pas? Mayeux. T'aurais dit la 2, mais t'as eu peur avec la majorité écrasante. Alors, premièrement, il n'y a pas de ga, no ho o ga. Et deuxièmement, hodo, c'est une forme négative. Et là, amai est à la forme pas négative. D'accord? Oh, merci beaucoup, Michena, pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Donc, en suivant cette logique, du coup, la troisième, c'est pas possible non plus. Parce qu'on a Rodo. Rodo plus une négation. Toyori, évidemment, bah, c'est faux. Hein. Sinon, je vous aurais dit, vous avez bon. Pourquoi? Parce que avec Yori, c'est Suika wa. Suika wa. Lingo Yori. Quand on compare deux choses, il faut voir. Hein. La pastèque est plus sucrée que la pomme. Et donc, To ne fonctionne pas. To ici, ça n'a rien à voir dans les particules, c'est pas possible. Et logiquement, la chose qui reste ici, c'est la numéro 2, et c'était la réponse. Hein. Suika wa ringo to onaji gurai amai desu. Les pastèques sont aussi sucrées que les pommes. Ça dépend des pommes, hein, mais c'est une phrase totalement correcte grammaticalement. Ah, Saïma, t'as pas vu les comparatifs. Ok. Bah, de toute façon, ça, je pense qu'on les reverra avec les verbes. On fera une séance avec les verbes des comparatifs. Donc, on pourra les retravailler. J'aurais mieux fait de voter, mais oui, Anto! Faut pas avoir peur, hein! La majorité peut se tromper, hein! Alors, pour Noro, Noro, il faut toujours qu'il y ait ga derrière. Ga. Et ici, bah, avant lingo, il n'y en a pas, donc c'est pas possible. Suika Noro ga lingo yori u hodo amae ou amakunai desu. Ah, à boire. Ah là, il me reste du thé. Aïe, esdilim, kampai. J'ose pas voter du tout. Mais alors, n'hésitez pas, personne... Les votes sont anonymes, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est juste pour vous. Et je dab. J'aime bien le concept, mais j'ai un niveau intermédiaire N3. Je voulais savoir si tu faisais parfois des cours de niveau un peu plus élevé. Alors oui, Michuna, en fait, les cours plus élevés, ce sont les cours de traduction. Et ces cours de traduction, il y en a que en fonction... Là, des sub-goals. Des follow goals, pardon. C'est-à-dire que dès qu'on atteint un palier, en général, c'est tous les 500 paliers, on a un live de traduction, et du coup, ces lives de traduction sont forcément plus compliqués du JLPT 5 à 3, ça dépend des textes qu'on choisit, de ce que l'on fait, de manière générale. Sachant que pour le moment, on a des cours débutants N5, N4, et que je n'ai pas prévu pour l'instant de faire du N3, mais si la chaîne évolue à un moment donné, si j'ai plus de temps, parce que je suis encore étudiante, ça sera certainement le cas. À un moment donné, on en fera certainement parce qu'on aura déjà vu les autres choses. Et merci du coup pour ton compliment, c'est super gentil. Je dois aller manger, désolée de partir si tôt. Bonne soirée, bon appétit à tous ceux qui doivent aller manger. Merci d'être passé, merci pour tout votre soutien en cette petite rentrée. Ça me fait super plaisir, donc merci beaucoup. T'as oublié le tatouage à 1680 follow. Non. Le tatouage, ça va être, je sais pas à combien de sub goal, mais peut-être 500. Hein. C'est important un tatouage, hein. J'en avais bien besoin de ce récap, mon dieu, comment je galère, heureusement que tu mets 2 minutes. Ah, iyo, Begasin, iyo. So desu ne, Barmok, so desu. Donc, voilà. Et donc, là, du coup, si vous aviez la bonne réponse, ça vous faisait un point à chaque fois. 500 sub goal, ok. Non, Smaïe, non.
Ah, Idril, tu te tatoues à la fin du mois? Et Ina, oh, il faudra mettre des photos hein, dans le Discord. Moi, je veux pas. Hein. Donc, exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Vous allez avoir une phrase avec des trous et une étoile. Et le but, c'est de trouver le mot qui correspond à l'étoile. Donc là encore, ça va être un système de vote. Hein. Ah, Soné, le vocabulaire, c'est important. Hein. première question, du coup. Watashi wa nani 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 ni kimasu. Et vous avez les 4 mots de vocabulaire ici qui sont à remettre dans l'ordre pour faire une phrase correcte en japonais. Je vous laisse un peu y réfléchir, je fais les préparatifs comme d'habitude. Hop. Et selon vous, quel est le mot qui doit se situer à la place de l'étoile? Hop. Je vous laisse une minute pour y réfléchir et je vous donne le vocabulaire après cette minute. D'accord? Ne nous laissons pas avoir par la tyrannie de la majorité! Attendez, je vais baisser un peu. Hop. À remonter un petit peu. Voilà. Voilà, Ina, soleil. C'était mon premier jour et j'étais ravie d'être là. Je dois déjà vous laisser matané. Merci à toi, merci beaucoup, Veleskatian, pour ta participation dans le chat alors que tu viens d'arriver et pour ton follow et tous tes petits commentaires. Merci beaucoup. J'espère que tu reviendras. Du coup, ben, examen de candy mercredi. Et sinon, c'est tous les lundis, mercredis et jeudi à 18h30, hein, les cours de japonais sur Twitch. Un exo type GPT, ne nous laissons pas avoir à voter. Alors. Donc, watashi, ça je pense que c'est bon. Kimasu, c'est le verbe kuru, venir. Au niveau des réponses, kujihan, je pense que c'est bon. Et il y a peut-être tomodachi que certains ne connaissent pas. Tomodachi, ça veut dire ami. Et pour le reste, normalement, il ne devrait pas trop avoir de problème. Sodesne, kuru irrégulier. Sodesne, c'est ma. Et oui, écrit ami. Oh, Ina, Mishuna. Sugoi. Tashikani ne, hitori de ima wa benkyo dekiru kamoshirenai nda kedo. Ah, yokatta, Veleska-chan. Eh ben, hâte de te revoir, du coup. Et bonne soirée à toi, merci d'être passé, ça fait très 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 plaisir. Ah, je vois que Yukibi est... Quelle est cette phrase? Oh, c'est mitigé. On hésite entre la réponse 2, 3 et 4, sachant que la majorité pense que c'est la réponse 4. Je veux mettre du suspense, mais à quoi bon? C'est la réponse 4, très bien, très très bien. Watashi no tomodachi mo kujihan ni kimasu. Mon ami aussi vient à 9h30. So desu ne? Pourquoi on peut pas mettre la 2? Pourquoi on peut pas mettre no? Bah parce que j'imagine que watashi mo tomodachi no, enfin il y a quelque chose qui va pas. Hein. Ni de, alors si vous devez si, au JLPT vous avez ce genre d'examen d'exercice donc. Faites attention, hein. Vous avez la particule ni. Et donc ni ici, avec le verbe, un verbe de déplacement, ça va être l'horaire. Donc là, vous savez déjà ce que c'est. Et après, il vous reste mo, tomodachi et no. Et watashi mo tomodachi no, ça va pas. Donc forcément, il va y avoir une possession. Watashi no tomodachi mo kujihan ni kimasu. Après, j'ai déjà vécu un an au Japon, donc forcément, ça aide. Ah, Tabs en 5, moi aussi. T'as été où, du coup? C'était quoi, un échange, un PVT? Raconte-moi ta vie, je veux savoir, du coup, je suis curieuse. Kuji Han, ça, c'est 9h30. 9h30. Le Han, c'est pour la demi. Kuji Han... Oh, bien joué tout le monde, bien joué le chat. So. Donc, c'était mot, hein. C'était mot la réponse que l'on entendait. Watashi no tomodachi mo kujihan ni kimasu.
J'étais en échange de personnes à Nagoya en 2018-2019. Et du coup, t'es de quelle université? Si c'est pas trop indiscret. Moi, j'ai fait 2018-2019 aussi à Yamaguchi, université de Yamaguchi. Trop bien. Me dis pas que tu viens de Lille, hein. Ça veut dire que je te connais. Potentiellement. Allez, on continue. Question numéro 2. Nani nani, kudamono tabemashita. Et vous avez le choix entre takusan, wa, kyo, no, à remettre dans l'ordre. Et à savoir quel mot va avec avec l'étoile, pardon. Et en attendant, je vous prépare. Hop, le sondage. J'étais en échange. Nanana. Nanen kan nihongo shiteru no? Et watashi wa ne, 8 nen mae, ano nihongo benkyou hajimetan desu ne. On est tous partis en 2018-2019, best ever before the big mess. C'est tellement ça, Maeva, c'est tellement ça. Ah, 2016 pour Natsuki Naruto. Juste assez longtemps pour perdre tout mon japonais. Dis pas ça, tu vas le retrouver, t'inquiète pas. Shinpai shinai de yo. Ah non, je suis de Lyon, mais à Nagoya, j'étais dans une fac privée pas très connue. Ah, Naruto. Ah, j'entends que du bien de la fac de Lyon. On me dit jamais de mal de la fac de japonais à Lyon. Ça doit être bien. Omae wa mou shinderu datte ba yo. Toutes les références en une seule phrase. C'est, voilà, merci Just Shadow of Z. Hein. Oh non. Bon alors, selon vous, quel est le mot qui correspond à l'étoile? Quelle est la phrase selon vous ici correcte en japonais? Lyon RPZ. Mais Lyon, ma mère m'a toujours dit que c'était une super ville et du coup j'ai trop envie d'y aller à Lyon. Juste pour voir ce que c'est Lyon. Parce que tout le monde me dit c'est cool Lyon. Mais j'y suis jamais allée. Allez, il reste encore quelques secondes. Takusan wa kyo no. Oui, c'est cool Lyon. C'est quoi Lyon? C'est l'animal, lion. Moi aussi, je suis à Lyon, mais dans la fac de sciences. Et Ina... Ça doit être compliqué, Enfin, je dis ça, je viens d'un bac S. MDR. Ah ben, vous voyez, même dans le chat, tout le monde dit « Ouais, c'est trop cool, Lyon. » Bah, je vais aller vivre à Lyon. Non, je rigole. J'aime bien le Nord, j'aime bien Lille. Hein. Donc, je suis bien pour le moment à Lille. Lyon, c'est magnifique. Faut aller en décembre pendant les fêtes des Lumières. Se taper des brioches à la praline. Oh, tu me donnes envie, là. Je suis parisien, moi. Le Paris, c'est cool. Il y a tout. Les cours sont plutôt intéressants. Ça marche. Oh là là. Bon, du coup, la majorité pense que c'est la quatrième. No. Moi, je suis à Toulouse. C'est plutôt cool. Ina, Toulouse. Il fait chaud dans le sud. Printemps pour voir le parc de la Terre d'Or. C'est magnifique. Vlog à... Est-ce qu'on ferait pas un vlog à Lyon? Par Mac, Lyon c'est bien, il n'y a pas les Parisiens. Cette phrase. Oh non, je vous jure. Donc la réponse c'était bien no. Kyo wa takusan no kudamono o tabemashita. Aujourd'hui, j'ai mangé beaucoup de fruits. Et je profite de cette phrase exemple hein, pour vous dire qu'avec takusan, des adverbes, de manière générale, on peut dire takusan no kudamono pour dire beaucoup de fruits. Mais on peut aussi dire kyo wa kudamono o takusan tabemashita. En fait, le takusan, soit vous le mettez devant le nom concerné avec une particule no, soit vous le mettez entre la particule du COD et le verbe, juste avant le verbe. Et ça marche aussi. Mais les deux se disent. Les deux sont possibles. Avec escale à Paris STP. J'avoue. Non, pas ce week-end-là, il y a souvent trop de monde. Ça a perdu son charme traditionnel. Sérieux, Kalinours? Soné Anto. La plupart des gens diront que c'est plus naturel hein, de le mettre entre O et un bémas. Hein. Mais ça se dit en fait, les deux se disent, et on peut le retrouver dans des romans ou quoi, mais il y a forcément une tendance où l'un est plus utilisé que l'autre. Hein.
Mais ça se dit, sans problème. C'est pas si rare que ça non plus. Maïeva, oui, c'est ça. Et du côté de Shizukimi, il va falloir que je fasse vous faire coucou alors. Oui, je viens avec toi, Maïe. On ira tous dire coucou à tout le monde. Ce serait trop bien. Soit. Du coup, troisième question. Kare, nani nani, o benkyo shite masu. Et en réponse, to, nihongo, bungaku, wa. Je vous prépare le sondage. Et c'est parti, vous avez 2 minutes. Tu vis des cours de japonais ou tu fais autre chose dans la vie? Alors, en fait, actuellement, je suis étudiante en master. Du coup, j'ai et un statut d'étudiant et un statut d'auto-entrepreneur avec la chaîne Twitch, les cours particuliers, le manuel notamment, la boutique. Et pour le moment, je ne peux pas me verser de salaire. Donc, je ne vis pas de ça pour le moment, même si c'est en bonne voie. Donc, niveau vocabulaire, kare, pronom personnel, il. Et donc, Soledad, je réponds oui à ta question. C'est bien. Benkyo, suru, hein, étudier. Nihongo, ça vous savez. Et bungaku, c'est la littérature. Ah, arigato, Saima, j'avais pas vu que tu l'avais répondu. Venez en juin, ça sera normalement le FIBD pour une fois qu'il ne sera pas aujourd'hui. C'est quoi le FIBD? Ah, sanen kiki-san, wakata. Merci en tout cas d'être passé du coup et puis révise bien et si tu as des questions, eh ben tu les poses sur le Discord, hein, tu n'hésites pas. Et s'il faut, n'hésitez pas à me ping, hein, si c'est par rapport au live Twitch, vous pouvez poser les questions en me faisant un petit ping. Hein. À Angoulême. Ah, là, d'accord, le festival de la BD. Naruhodo. Ah, Naruhodo ne. Donc, oui, en effet, pour cette question, vous avez 2 réponses possibles. Je voulais voir ceux qui suivaient. Mais oui, vous avez 2 réponses possibles. À savoir, est-ce que vous avez en tête les 2 bonnes réponses? La seule fois de l'année où Angoulême est vivante. C'est triste quand même. C'est triste. Ah d'accord, Idril. Naruhodo. C'est pas grave, Seima, t'étais à la fin. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, en effet, là, vous êtes sur du 50-50 à Nihongo Bungaku. Et ce sont en effet les 2 réponses possibles. Kare hein. Wa Nihongo to bungaku o benkyo shite imasu. Il étudie le japonais et la littérature. Et vu qu'ici on est sur un groupe nominal avec la particule to de la liste, hein, sa, donc A et B, le A et B ici a peu d'importance, donc vous pouvez switcher. Vous aurez très bien pu dire kare wa bungaku to nihongo o benkyo shite imasu. Voilà. Donc c'est très bien les gens. Sodesneto de la liste exhaustive. C'est ça et ça uniquement. Comparé à ya non exhaustive. Sodesne, minasan, ine. Question suivante. Nihon, nani nani, wa amari mimasen. Et vous avez en mot de vocabulaire, en mot à intégrer dans la phrase. Kankoku, ya no dorama. Et rebelote. Petit sondage. Hop. Je suis tellement blanche, c'est avec la caméra, c'est quand même abusé. Hein. Avec le verbe, il y a une particule. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais ce que Anto dit, c'est ça. Hein. C'est particule qui va avec le verbe.
et l'adverbe est avant le verbe, donc entre la particule et le verbe. Donc, niveau vocabulaire, Nihon, le Japon, Kankoku, la Corée, le verbe ici c'est mimasen, hein. Miru, voir, regarder, et pour le reste, je pense que vous connaissez. Question, rien à voir? De quoi Natsuki, dis-moi. Merci beaucoup Silstone pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel e yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à tout nous dire dans le chat. J'ai toujours appris nomimasu pour boire, mais dans une de mes applications, pour apprendre le japonais, utilise nondeimasu. C'est quoi le plus utilisé? Alors en fait, c'est la même chose, c'est le même verbe. C'est le verbe nomu, mais nondeimasu, il est en forme en teimasu. Teiru. Et en fonction de la phrase, de ton contexte, soit c'est l'habitude, soit c'est le fait d'être en train, généralement. Il est en train de boire quelque chose. Nondeimasu. Ou alors, mai asa, nani nani nondeimasu. Tous les matins, je fais une action. Et bien là, ce serait une forme en teiru. Donc ça dépend de ta phrase dans sa globalité, Natsuki. Dorama. Dorama, vous savez pas? Dorama, c'est un drama. C'est transparent. Grammaticalement parlant, il y a deux réponses possibles. Non. Je pense pas. Ah, Anto, tu me propose-moi. Vas-y, propose-moi. Sachant que la majorité ici pense que c'est dorama. Et il y a quelques personnes qui pensent que c'est la une, Kankoku. Et ici, la réponse était bien dorama. Hein. Nihon ya Kankoku no dorama wa amari mimasen. Ah, ça, on est. Du coup, ça marche pas, tu le dis toi-même. Mais voir la Corée, c'est étrange. Mais drague à mais grammaticalement, ok, oui, grammaticalement, tu mets ce que tu veux, c'est un nom et tout, mais le sens y est pas, du coup ça fonctionne pas. Sans drama, oui, c'est les séries télé, c'est les dramas. Hein. Oui, ça y va, il répond à sa question tout seul. Mais il va avoir raison, il dit, mais grammaticalement, ça passe. Et ça, on me le retirera pas. C'est un peu ça. Oh là là. Ça veut rien dire, mais grammaticalement, ça marche. Oui, exactement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Nihon ya kankoku no dorama wa mari mimasen. Je ne regarde pas trop de dramas japonais et coréens, entre autres. Oui, je te taquine, Anto, je te taquine. Mais je sais que t'as compris. Mais du coup, il n'y avait qu'une réponse par rapport au sens. So desu ne. Hai, et ja, shitsumon ga nakereba. Tsugi ni ikimasu. Merci beaucoup Jessica Le Sar pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Coucou, ça va bien? Ben écoute, ça va super et toi? Merci beaucoup pour ton follow encore une fois. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, comment allez-vous? D'où venez-vous? Et comment avez-vous trouvé la chaîne? J'aime bien savoir comment vous nous avez trouvé. Coucou, ça va? Alors, non, c'est bon, on peut pas offrir un abonnement? Ah bah, Sleestone, tu offres ce que tu veux, hein. C'est ta CB. Ok, la Castafiore, mais oh, j'essaie de renouveler un petit peu tout ce que je dis. Mon copain est japonais et je suis de la France. Ah, trop bien. Ah, Ina. Ina, sorewa. Cinquième, du coup. Ashita wa nani nani. Et vous avez quatre éléments à remettre en place. Tabemasu, sakana. O et K. Et je relance un sondage. Et 4. Et c'est parti pour 2 minutes. 2 minutes, pardon. Et à ta santé, à ceux de l'hymne. Kampai. Kampai. Ah, j'ai presque plus rien. Yeah. Alors. Je vous laisse un peu le temps de réfléchir, hein, comme d'habitude, un petit peu.
du Fanta raisin STP. J'en ai pas, j'en ai plus, faudrait que j'aille en racheter, mais bon, ça coûte cher, hein, tous les jours acheter du Fanta raisin. Toute la Twitch money, elle va passer dans ça. Hein. Alors, niveau vocabulaire. Ashita, c'est demain. Tabemas, c'est manger. Et sakana, c'est le poisson. Le poisson. Et déjà, kotae wa nan desu ka? Nan daro na, nan daro na. Et il vous reste encore un peu moins de la moitié du temps. Do desu ka, do desu ka. Et bienvenue, du coup, je viens de voir toutes les notifs sur le Discord. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. N'hésitez pas sur le Discord à prendre vos rôles dans le tableau, sur le tableau d'affichage pour avoir accès à tout le serveur, d'accord? Acheter des bouquins au lieu du Fanta, c'est meilleur pour la santé. Bah oui, Marwok, t'as raison, carrément. Lorsque mon copain est arrivé en France, du Japon, il savait pas que j'étais grosse, lol. Il a été surpris. Ça, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, regarde-moi, hein. Je me tape là. il finit un temps où tu buvais de la Volvic. Ben, j'en ai plus là. Là, c'est de l'eau de source. Et là, c'était du thé. Alors, vous pensez à grosse majorité que c'est sakana. Et quelques personnes pensent que c'est tabemas. Faites attention, les gens. Ashita wa sakana o tabemasu ka? Ashita wa sakana o tabemasu ka? Ça, c'est une question, une phrase type, hein, avec un COD. Est-ce que l'on mange du poisson demain? Ashita wa sakana o tabemasu ka? On pose une question. Sakana, le surnom d'un de mes collègues de boulot, mais pourquoi? Pourquoi je t'arrive? Crusty bat, ouais, c'est ça. Ah, d'accord, Grim. D'accord, j'ai eu peur. Tu as ton kohakata, né? Merci beaucoup, du coup, j'avais pas vu Wasabi pour le bis. Très gentil. Tic-tac, tic-tac. Parce que hors de l'eau, elle me pue au nez. Quoi? Vous partez trop loin, les gens, à chaque fois. Beaucoup trop loin. Ie, kino wa mo tabemashita. Ah, so desu ka? Et watashi wa ne, kyou wa soupu wo taberu. Kamoshiremasen. Ah, omedeto Mekasin! Clap, clap, clap! Omedeto ne, omedeto. Je te crois, Grim, je te crois. Sonanda. Sodesne. Sodesne. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Du coup, c'était un point par bonne réponse. Et là, vous avez déjà 10 points, d'accord? Sachant que l'examen est toujours sur 20. Je peux pas savoir la personne à qui offrir l'abonnement. Bah, offre-le à toi-même. Tu veux pas d'abonnement pour toi? C'est une méja, en gros, je l'aime pas. Je peux pas la sortir. Ah, Nalu Rodone. Ah, coucou Space, ça fait super longtemps. Coucou Sensei, je suis désolée, en ce moment, j'ai pas mal de tâches chez moi et du coup, je fais pas trop de japonais. Nalu Rodone, t'inquiète pas. Daijobu desu yo. Non, c'est pas pour moi. Bah, tu pourrais, hein. Tu pourrais. Après, tu regardes dans le chat actuellement qui n'est pas sub. Bah, tout le monde est sub. Seima est pas sub. Voilà, si tu veux sub quelqu'un, tu peux sub Seima. Ah bah si, il est sub. Pourquoi ça bug des fois? Je sais pas. Soit. 1000, voilà, 1000. 1000, si tu veux sub quelqu'un, 1000, il est toujours là. Il est gentil comme tout. Tu peux. C'est qui Tati? Je sais pas qui c'est Tati. soit. Donc, on arrive sur la partie conjugaison. On va faire 3 adjectifs et on va faire 3 verbes. Et on va commencer par les verbes. Donc, le magasin, c'est un peu ça. Kyo wa. Ah, gnocchi. Ah, fais attention par moi que tu as mis un hiragana. Et c'est gno, N-Y-O, je pense, hein, gnocchi. Gnocchi. Oh! Mon maillot! Trop gentil! Merci pour Mildin! Ah, elle, pardon, excuse-moi, Milin. Vos pseudos, comme ils sont pas genrés, j'ai du mal à retenir tout le monde.
C'est ça qu'il fallait pas faire, bah oui. C'est trop gentil, merci Bayeux. Oh là là. Arigato ne, arigato. Arigato. Donc du coup, vous avez 0,25 points par bonne réponse pour le tableau. Et on va commencer avec le verbe faire, suru. Et je vais mettre une petite barre à chaque fois pour délimiter. La première chose que j'aimerais que vous me disiez, c'est sa catégorie. Est-ce que c'est un ichidan, godan ou irrégulier? On va faire comme d'habitude, hein. Pour ceux qui ont l'habitude, on fait colonne, enfin case par case. Et donc là, la question, c'est son groupe. À quel groupe il appartient? Et donc je vous laisse aller 15 secondes à chaque fois pour essayer d'y répondre. Ah, so desu ne, so desu ne. Hai, c'est un irrégulier. Première case, non accompli, affirmatif. Je fais quelque chose. Comment on dit je fais quelque chose? Oh! Merci, mais c'était pas une blague, Silstone? Je pensais que tu trollais. Merci beaucoup! Je veux des clap 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 pour le sapif de Mayo et de Sultan. Je veux des clap clap clap, je suis plus en rythme mais c'est pas grave. Et je fais trembler le PC. Je chimasse quelque chose, oui. Ah, arigato Sultan. Je voulais vous l'offrir à Tati. Bah, tu l'as offrir à Tati, j'imagine. Merci beaucoup pour les subgifs, les gens. Vous êtes des amours, mon Dieu. Mais quelle rentrée de folie. Du coup, salut. Je chie en masse. Shimas ne, shimas. Le passé, j'ai fait quelque chose. Comment on dit ça? J'ai fait quelque chose. Non, t'inquiète pas, Space, je trouve ça drôle. Ça, c'est bon. Tant que ça me fait rire, ça passe. Arigato gozaimasu ne, arigato tasukarimasu. Alors, j'ai fait au passé, faire au passé. J'ai shimas. Ishtan. Kappa. C'est pas con, c'est pas con. So, à la forme polie, hein, je précise, n'est-ce pas, Wasabi? Mais comme je sais que t'as mis les deux, ça va. So desu ne, shimashita. Shimashita. Faire au passé ou faire à repasser? Faire au passé. Faire à repasser au passé. C'est encore mieux. La forme négative d'un accompli, je ne fais pas. Je ne fais pas. Comment on dit ça en japonais? Ah, ina minasan. Unko no jo dan wa saiko da. Les blagues de merde, c'est le top idiot. Sans décider. Ah, t'as dit c'est blablabla bla bla. Ah, naruhodo. Naruhodo. Ah, ine minasan. Et je vois que la conjugaison, c'est... vous êtes déter, hein. Ça c'est trop bien, ça c'est top. Shimasen desu ne. Et du coup, le passé négatif, je n'ai pas fait. Comment on dit ça? Shitsumon. Ah non, kotae wa nani? Nan daro ne? Dauphin du 02. Eh, oh, mais Mayu. Yamete yo mo! Okane wa ne? Sugiru! Sugiru yo! C'est trop! Mayu, c'est trop! Pourquoi c'est ma magasin? Mais c'est sa tati. Et... c'est pas Rocket Science pour le moment, en tout cas. Ah, sonne. Mais tu sais, par moi, qu'il y a des gens, ils mettent longtemps, hein, des fois. Mais c'est bien. Shimasen deshita. Bien joué. Et merci, Mayo, pour le subkiff. Les clap, clap, clap dans le chat. C'est trop, Mayo. C'est vraiment trop. La richesse de Mayo. Sonne. Nyango benkyo shimasen deshita. Demo sa ima wa chanto nyango hanaseru ne ima wa. Go acheter la figurine. Ah, c'est vrai, avec SG, mais on avait vu une figurine de Kakashi. Elle me donne trop envie. Hein? Alors Natsuki, merci. Mais d'où? En un live, on a deux trains de la hype. D'où? Depuis quand? Depuis quand? C'est pas possible. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible. On en a déjà fait un. Attendez, les gens. Attendez, je suis perdue. Quoi?
Quoi? Non! Eh, deux trains de live, c'est pas possible! Hype no tense! Tense, densha da ne? Eh? Eh? Match de que? Eh? Match de sore! Mo! De quoi tu veux le niveau 5? Non! D'où y a niveau 5? J'ai dit non! Quoi? Allez! Allez! Majide, majide, mina! Yabai yo! Mou, mina-san! Allez! ちょっとね、ちょっとね ちょっとみんなやめてくださいよ 本当にお金すぎるそれは あれ? ちょっと待って 今は迷ってるよ あれ? Mais pourquoi les gens, j'ai pas compris あれ? Alors attendez parce que tu sais que j'aime pas l'autorité, mais je peux pas dire vas-y, continue, non! Je peux pas! Attendez. Déjà, Mayeux, mais un milliard de merci. Parce que là, t'as fait 10 subgifts, c'est genre. Oh my goodness! J'en reviens pas. Merci pour les beats de Hello Nanako, de S. Zulim, de Nelia Naida, de Wasabi. Et merci beaucoup pour les follow de Poketimi 2004 et Dini 923. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mais du coup, attendez parce que déjà que j'étais en PLS tout à l'heure, mais là, le fait que normalement un deuxième train de live c'est pas possible et que c'est possible, déjà là, je comprends pas. Et de deux, que tout le monde était en mode oh, claque, ça tue, allez-y. J'ai pas compris non plus. Faut qu'on m'explique. Oh non. Arigato. Les gens, mon dieu, mais c'est pas possible. Vous êtes, mais... Vous pouvez me dire pourquoi? Juste pourquoi? Non, recommence pas, Mayu. Non. Mayu, ça n'a aucun émoji d'année. Dessionné. Mayu a acheté le train de la hype aussi. Il a tout acheté. Oh, non. Ah, mais vous voulez voir toutes mes notes? Toutes mes appréciations? Faut qu'on t'explique quoi, preuve de qualité, bonne humeur, je pense que c'est mérite. Oh, vous êtes des amours. Oh, je vous aime trop. Parce que c'est rigolo. C'est rigolo de me mettre dans PLS. Pourquoi, juste pourquoi, mais oui. Allez, y a, attendez, j'ai plus... Ah si, il y a de l'eau là. Madide. Il y a un temps minimum entre deux trains, mais il peut y en avoir plusieurs par live. Mais quoi? C'est pas possible. Merci pour les... Merci Barma pour le don, pour les deux trains de la hype en un stream. Mais les gens, c'est doux. Apprenons japonais, ça fait deux trains de la hype. Depuis quand? Merci. Merci beaucoup, Hello Nanako. Arigato. Et Inchanai. Comment on prononce l'élite en japonais? J'y arrive pas. L'élite? Nani? Merci Wasabi pour les 300 bits. Non, Mayeux, pas de compte à rebours. Please. Non, attendez, faut que je boive. J'ai deux kampai. Je vais boire beaucoup, je sais pas combien j'en ai loupé. Je vais me noyer, ok. Mayeux, y'a pas de compte à rebours. I say no. No. Merci beaucoup pour les pistes, les gens. Mais qu'est-ce que vous avez? Mayeux! Ah, c'est une... Quoi? T'as mis tellement bien Poketimi! Abonnement de niveau 3, c'est une blague! C'est une blague! On est tous choqués! Niveau 3, PLS! Allez! Merci beaucoup pour les bits, merci Mayeux pour les subgifts. Niveau 3, mais... Poketimi, j'espère que tu veux vraiment apprendre le japonais, hein.
Barfix. Arigato. Mais les gens mettaient des clap 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 pour Mayo, c'est pas possible là. Il régale tellement, mais oh mon dieu. Venez sur le Discord, tous ceux qui viennent d'avoir un sub, mais venez sur le Discord. Genre là, le privilège, il est... Oh là, je mets des bugs, des clap-clap, des bugs. Mais je veux le même métier que toi. Arigato. Bah du coup, Mayo, t'as réussi ton coup, hein. Arigato. Et en plus, il y a tous les clap-clap-clap. Arigato, ne, arigato. Bon, c'était mon premier cours, mais moi, du coup, je suis obligée de revenir aussi, vu que Maïe m'a sub. Bah écoute, blu, il faut profiter de ton abonnement, ça, c'est sûr. Ah hein. Oh, non. Wasabi, t'es chiant. Pourquoi? Ouais, j'avoue, pourquoi il est chiant? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah j'espère, en tout cas, que l'examen vous plaît. Du coup, il y a ça entre-temps, c'est les aléas de Twitch. Mais soit. Donc, si ça vous dérange pas, on va continuer, parce que là, c'est bon. Hein, level 5, ça vous suffit, on est d'accord? On peut continuer l'examen. Même si... Dave, je veux dire ça, mon petit frère, il va être choqué. Il va faire... Quoi? Deux trains de live? MDR. Et on dab pour Maille. Et on dab pour Maille. Et on fait un double dab pour Maille. Dab. Oh là là, je vous jure. Pas possible. Les gens, vous êtes des amours. Je vous aime trop. Imitation de ton petit frère trop chou. Même si le train n'est plus... Hein? C'est pas grave. Arigato. C'était quoi? Attendez, le record? Non, je dis ça pas pour battre un record, je précise, parce que sinon ça va être en mode... Pour battre le record. Non. C'était quoi le record de la dernière fois? Je m'en souviens plus. 202, ok. Vous dépassez pas 202. Je vous l'interdis. Dame des yeux. Vous restez là. 1004. Non, 104. Oh merde. 1004, c'est beaucoup. Vous restez là. Ok, vous bougez plus. On continue le cours. J'ai dit vous bougez plus. Pourquoi je me rappelle de ça? Je sais pas. Merci, Saïma, du coup. I say, don't move the pacento. Mayo, non. Je vais me taire pendant les 1 minute 10. Est-ce que vous êtes prêts à apprécier 1 minute 10 de silence? Attendez, parce que du coup... Non, Anto. Non. Parce que... quand on arrivera aux 150 sub goal, j'en profite de parler de ça, je ferai du coup le live bulletin de notes. Et je pense qu'aux 200, je ferai le live scrapbooking de mon voyage au Japon pour vous parler. Et je pense que ça prendra plusieurs lives même. Comment dire? J'ai réfléchi au sub goal à chaque fois. Et donc, je sais pas si ça vous va. Mais, c'est un peu le programme. C'est le programme. Ah, les gens, vous êtes des amours. Merci beaucoup pour ce train de live. Ce deuxième train de live. J'en reviens pas. Je vais pouvoir en acheter beaucoup plus des manuels avec tout ça là. Il y aura un sub. Non, un follow goal. Un follow goal, je pense. All de manuel. Et pourquoi pas mettre un sub goal court 100% en japonais? En vrai, on peut, hein, mais j'ai peur que vous ne compreniez pas si je fais que parler en japonais. Mais bah moi, ça serait un bon exercice, par contre, pour moi, mais... Merci, S-Dream. C'est lui qui fait toujours à la fin pour avoir les mots. C'est extraordinaire. Merci, les gens. Et merci pour le follow, Dijo le Kerbinien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jim pour les 500 bits à la fin. Et des bisous. Je crois que seulement Jab, je serai largué. Ah, muzukashi ne? Suetano jugyo wa nihongo dette. On peut, même hors, plus en follow goal. En follow goal, on peut mettre ça, mais. So desu ne? Bah, j'avoue, mais. Ouais, peut-être avec des images. J'avoue. Bon, on se reconcentre. Deuxième verbe. Oh, merci beaucoup, Yamato. Beaucoup de chiffres derrière pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Sur notre channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Ah, c'est pas bête, Barmok. C'est pas bête. Des images et tout. Le rappel. Il y a moyen. Bon,
Nugu, enlever. C'est quel groupe ce verbe? Ichidan, godan ou irrégulier? Groupe wa nan desu ka? Nan no groupe desu ka? Merci encore pour le travail. J'essaie de passer très vite parce que je me sens trop gênée de votre générosité. So, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, hein, c'est... Ine, mayo no credit card wa... Dekimashou. Désolé. Sans. Ine, minasan, so desu ne, sore wa godan... Oh! Merci, Shania! Merci pour le recette! Je vais des clap 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 dans le tas pour le recette de Shania. Coucou, comment tu vas? Ça fait longtemps! Sixième mois d'abonnement, oh là là! Et le jour, quand les gens vont commencer à faire un an, là! Déjà six mois c'est énorme, mais vous imaginez un an de sub à la chaîne! Oh, merci beaucoup! Merci Silstone pour les beats! Mais qui es-tu? Ah, tu peux te présenter Silstone? Je veux savoir qui t'es parce que t'arrives, tu follow, tu lâches des subgifts, des petits bis et tout. Dare desu ka? Diko shokai shite kudasai, présente-toi. Je veux savoir qui tu es. Donc, soit. À la forme non accomplie. Nugu, affirmative. J'enlève. Ça donne quoi? Ça va et toi? Bah ça va, super. Je comprends rien à ce qui se passe dans ce live, mais du coup ça va super. T'inquiète, dans quelques mois, tu les verras les un an. Mais oui, Kalinours, parce que là, on avait lancé la chaîne il y a un peu moins... Légèrement moins d'un an. On avait commencé pendant le premier confinement, donc... en mai, hein, c'est ça. Ine, minasan. So desu ne. Nugimasu. Au passé, accompli, j'ai enlevé. Comment on dit ça? Nandarone, je vais boire un coup les gens, du coup je suis désolée. Alors, non, ça ne marche pas, je crois. C'est pas le même verbe. Attends, je sais pas comment on dit kidnapper et enlever. C'est... Ubaou, enlever quelque chose, piquer quelque chose à quelqu'un, dérober. Nugu, c'est vraiment le fait de retirer quelque chose, c'est pas le fait d'enlever quelqu'un. C'est le combat de ma nièce, il s'ennuie, alors je lui ai passé le lien. Oh, c'est trop gentil. Eh ben écoute, merci blabla, blablabla. Vous avez des pseudos, c'est trop bien. Merci d'avoir partagé et j'ai le dos droit. Et j'ai déjà bu. Donc, nugimashita. Forme non accomplie négative, je... Tati la plus belle, vous êtes trop mignon, c'est trop chou. Je dab. Merci beaucoup, Chachuchil, c'est compliqué à prononcer. Chachuchil peut-être? Chil, merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kunete, arigato gozaimasu. Ah non, sono channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? Dis-nous tout. Ima, pantsu nugimasho. Bah non. Donc oui, nugimasen, excellent. Et au passé négatif, je n'ai pas enlevé. Ça donne quoi? Ah, naruhodo. Comme quoi, j'ai bien fait de faire des petites... de vous dire que la chaîne existait, il y en a plein qui n'étaient pas au courant. Sore wa yokatta ne? Sore wa yokatta. Du coup, enlever au passé négatif. Pants, pantalon ou culotte? C'est culotte, c'est les sous-vêtements. Hein. C'est les sous-vêtements. So desu ne, nugimasen deshita. Nugimasen deshita. Je le répète, hein, s'il y a une faute, vous vous retirez 0,25 points. Et c'est un exercice à 3 points. Et du coup, troisième et dernier verbe, quelle catégorie? Kaeru, changer. C'est zuban le pantalon. Pantsu, c'est pantalon aussi en vrai, mais...
Mais zuban, c'est zuban pantalon et pantsu sous-vêtements, culotte du moins. En tout cas, c'est plus que moi j'en ai, mais kaeru, changer. C'est une grenouille, c'est pas un verbe. Bien joué, je te sers là-bas. Toi, tu regardes les publications apprenons japonais. Ah, so desu ne minasan. Hai, ichidan, san ichidan. Très bien. Première case, du coup, je change. Comment dis-je change en japonais? Maïeux, je viens de voir ton top subgi 21, non mais... C'est pas possible. Alors, faites attention. Vous conjuguez pour certains comme un godan, alors que c'est un ichidan. Ichidan. Et pas un godan. Donc un ichidan, on retire le lu et on met mas. Et le kanji est pas bon, c'est ima. Ah si, pardon, le kanji il est bon. J'avais pas vu. Kaimas, kaemas, kaemas. So, kaemas, kaelimas, ça existe, hein. Mais ça veut dire rentrer. Kaelimas, un godan. Kae. Le lu, on le met en i, ri plus mas, kaerimas. Et si c'est un ichidan, quand il veut dire changer, hein, kaemas, le lu, on le retire. Les deux existent. Le... Il n'y a que le sens ou le kanji qui vous permet de différencier. Donc du coup, le passé affirmatif, c'est quoi? Ça donne quoi? J'ai changé. J'ai changé, c'est quoi? J'ai changé tes nani. Ah, iné, iné. Du coup, kaelimas, rentrer, c'est le même verbe kaelu, mais avec un kanji différent. Oui, oui, Soledad. En fait, kaelu, merci beaucoup pour les bits. Pour les 10 bits, merci, 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 merci. Un milliard de merci. C'est trop gentil. Donc oui, c'est le même verbe à la forme neutre. Hein. Les deux, c'est kaelu, mais le kanji est différent. Et c'est pas le même groupe. Donc, kaemashita ne, kaemashita. À la forme négative, maintenant? Je suis en train de me dire que j'aurais dû faire des clips aujourd'hui. Il faut vraiment, les gens, que j'apprenne à faire des clips pour en faire aussi. Et à chaque fois, je prends pas le temps. J'ai pas le temps, du coup, voilà, mais... Ah oui, non, c'est pas le bon kanji, wasabi. So desu ne, kaemasen, kaemasen. Et au passé négatif? Nandaro na, nandaro. Ah, so desu ne, minasan. Kaemasen deshita. Kaemasen deshita. Excellent. Clap, clap, clap. Bien joué. Bien joué. Donc là, si vous avez fait un sans faute, vous avez 3 points. Et du coup, on fait la même chose, mais avec des adjectifs. D'accord? Donc là, la première chose, déjà, comme d'habitude, shiroi, blanc. Quelle catégorie d'adjectifs? Adjectif en i ou adjectif en a? J'enchaîne, hein, désolé, parce que du coup, on a pris du temps et j'ai pas envie que le cours se finisse à 22h, même pour vous. Ah, so desu ne. So, so, so. Bien joué, tout le monde. C'est un adjectif en i. C'est un adjectif en i. comme d'habitude, donc blanc, juste c'est blanc. Comment on dit ça? Non accompli affirmatif. On est sur du poli, hein. On conjugue en poli, pas en neutre. So desu ne, minasan. Ii ne.
Shiroi desu, shiroi desu. Le passé affirmatif, c'était blanc. Attention Anto, adjectif en i, leur nom en français, c'est ce qu'on appelle des adjectifs variables. Donc il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui va varier dans ton adjectif. Certes. Certes. J'adore cette réponse. Son cerveau s'est éteint. Ah, il commence à faire tard. Et, non, il n'y a aucune raison. Parce qu'avec Japan Kanke, vous répondez à 21h passées. Hein. Non, non, non. Hein. Non, non, non. Hein. J'aimerais bien qu'il soit là. Je ne sais pas s'il regarde en fond. Mais il rigolerait s'il voyait ça. Oh, so desu ne minasan. Certes, cette réponse, elle m'a tuée. Je fais aussi plein de fautes chez Purée. Ah, c'est vrai, bon, t'excuses alors. J'avoue, on n'a pas d'excuses, non mais carrément. C'est le début de semaine en plus, normalement vous avez le week-end pour être en forme et tout. Oh non. Donc, shirokatta desu ne, shirokatta. La forme négative, hein, non, ce n'est pas blanc. Comment on dit ce n'est pas blanc? Oh, merci beaucoup Yukiwi Studio. Trop cute, trop joli comme pseudo. Foroshite kurete arigato gozaimasu no channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu, d'où viens-tu et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à nous dire ça dans le chat. Maïe, kuroi desu, bah si c'est pas blanc, c'est noir évidemment. Ah non, attention hein. L'adjectif en i, il varie, c'est son i qui varie. Hein. Donc quand vous allez être en accompli ou en négatif, il n'y aura plus de i. So desu ne, minasan, i ne. Shiroku, shiroku, nai desu. Shiroku, shiroku, idewa limasen, gros forceur. Anto, je te jure. Shiroku, nai. Shiroku, nai desu, attention, il hein. N'y a que ça qui existe. Hein. Salut, salut, je suis là grâce à Angélique Tokimeki. Et, par rapport au fait que je sois hébergée sur sa chaîne, c'est ça, Yuki, oui. Je pense pas qu'Angélique ait parlé de moi, du coup j'imagine que c'est l'hébergement. Et du coup le passé, la forme passée. Ah, Naluhodo. Oh bah trop bien, j'enverrai un message à Angélique pour lui remercier de m'avoir mis en hébergement. So desu ne, les gens, comment on dit ce n'était pas blanc? Ce n'était pas blanc. Il n'était pas blanc. Ce n'était pas blanc, tout simplement. Ine minasan. So desu ne, shiroku nakatta desu. Shiroku nakatta desu. Très bien, très très bien, excellent. Adjectif suivant, yumei, yumei, adjectif en i ou adjectif en na. Do desu ka? Tout le monde pense que c'est en na. Je laisse encore quelques secondes pour répondre. Et c'est bien ça, effectivement. Adjectif en na. So, so, so. Bien joué, Seima, c'est ça. Yumei, kirei, kirai. C'est les trois adjectifs où il y a un i à la fin, mais qui sont des adjectifs en na. Hein. Donc faites bien attention. Et donc là, rebelote, hein. Forme non accomplie affirmative de c'est célèbre, tout simplement. Comment on dit ça? Moi aussi j'ai atterri grâce à l'hébergement. Ah, Injanai! Un yokunai plutôt. Yokunai! La syllabe I, exactement. Merci Maï. Tu mets des feintes. Bah oui, il faut. Hein. Vous êtes sûr? Bah évidemment! Hein. C'est mon rôle de prof de vous mettre le doute et que vous mettiez vraiment ce que vous pensez être correct. Vous croyez quoi? Faut que je m'entraîne, hein! Faut que je m'entraîne! Vous êtes des cobayes, vous voulez que je vous dise quoi? Et
ça marche. Donc, c'est que je fais bien mon boulot. C'est que je fais bien mon boulot. Bon, sinon, comment on dit c'est célèbre. C'est célèbre. Nandeska. Nandarona. Il y a des copier-coller dans le chat. Mais c'est ça. Yumeides. Yumeides. Très bien. Très très bien. Au passé, c'était célèbre. Comment vous me diriez ça? Sensei wa yumei ni natta. Et watashi wa zenzen yumei janai desu yo. Watashi wa zenzen yumei janai. Yumeijin janai. Hazukashi sugi yo. Alors, à la forme polie. À la forme polie. Mayo, t'as bon, hein, mais si tu me mets de la forme neutre. Mais à la forme polie, ça donne quoi? C'était célèbre. J'ai l'impression que vous êtes tous en train de mourir. C'est bientôt fini, les gens, c'est bientôt fini. Je ne veux pas spoil pour les autres. Naruhodo ne, naruhodo ne. So desu ne, yumei deshita, yumei deshita. La forme négative, alors là vous avez 4 possibilités, vous mettez celle que vous voulez. Ce n'est pas célèbre. Nandaro ne, ce n'est pas célèbre. Minasan, so so so. Attendez, faut que je boive un coup. J'ai un truc dans la gorge, je sais pas pourquoi. Je viens de m'en mettre partout, trop bien. Ah, sonne. Alors là, vous avez le choix. Yumei dewa arimasen, yumei ja arimasen, yumei dewa nai des, ou yumei ja nai des. So desu ne, minasan. Et pour finir, du coup, le passé. Passé négatif, ce n'était pas. Ce n'était pas. Ça donne quoi? Yumei. Nani, nani, nani. Ineminasan. Bon, c'est pareil, hein, les adjectifs, ça se voit que vous commencez à bien maîtriser tout ça. Hein. Mayu. En sachant qu'on est à l'écrit, seules 2 réponses sont vraiment correctes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a une qui est plus orale que l'autre. Et celle qui est plus orale, c'est Ja. Hein. Ja, on peut le voir à l'écrit, hein, mais c'est... Ça, c'est marque de l'oralité. C'est marque de l'oralité. Et en effet, Yumei de wa arimasen deshita. Yumei ja arimasen deshita. Yumei de wa nakatta des. Ou encore, Yumei ja nakatta des. Très bien. Très très bien. Et dernier adjectif, amai. On l'a vu tout à l'heure justement. Amai, sucré. Adjectif en i ou adjectif en na? Ah, ça, il y a tout le monde qui l'était. Ça, je sais. Ça, c'est rapide. Parfois, je me fatigue. Non, mais t'as raison, Mayo, c'est bien. On se demande c'est qui ta prof. On se demande qui c'est. So desu ne, minasan. Ikeyoshi desu. C'est un adjectif en i. Du coup, c'est sucré. Comment on dit ça? Forme polie, bien évidemment. Toujours. La meilleure. Arigato gozaimasu. Alors, c'est sucré en japonais. Comment qu'on dit ça? Saekyo sensei, arigato. Arigato ne. Amai desu, amai desu.
Le passé, c'était sucré. Comment on dit c'était sucré? Dou desu ka? Sonne, attention à la forme polie. Ah non, attention, Nelia Maïda. Adjectif en i, ça veut dire adjectif variable. Donc ton i, il va disparaître pour donner quelque chose d'autre à la place. Ine, minasan, so desu ne. Amakatta desu, amakatta desu. La négation, ce n'est pas sucré. Ce n'est pas sucré. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, je suis en train de penser que j'ai mis qu'une variante du coup. Amai, ça ne peut pas aussi dire gentil doux pour une personne. Il me semble que si. Et je l'avais vu où ça? Je ne sais plus. Mais si, si, si. Si, si, si. So desu ne, amakunai. Amakunai ne. Amakunai desu. Et du coup, l'accompli négatif, ce n'était pas sucré. Ça donnera quoi? Ah, iné Yukimi, iné, sugoku ii. T'inquiète pas, Wasabi, j'avais compris. So desu ne. Alors, à chaque fois, j'ai oublié de mettre l'autre version. Je sais pas pourquoi. Mais on peut aussi dire amaku arimasen. Amaku arimasen deshita. Tout à fait. Tout à fait. Très bien, tout le monde. Omedetou gozaimasu. Bon, du coup, on arrive sur la fin du cours. Il reste plus que un petit exercice. Et c'est un exercice de traduction. Vous allez avoir deux phrases à traduire. Et dès que vous faites une erreur, que c'est du vocabulaire particule ou dans la conjugaison du verbe, vous devez retirer 0,5 points. D'accord? Est-ce que jusqu'à présent, c'était bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on peut finir avec le dernier exercice de cet examen? Daijoubu desu ka? Daijoubu kana? Daijoubu kana? Ça a l'air d'aller. Daijoubu desu. Ah, yokatta desu. Alors, première phrase du coup. Alors, cette fois-ci, j'ai pensé à vous. J'ai mis du vocabulaire. Vous m'aviez dit, ah, il manque le vocabulaire. Donc, j'ai pensé à vous. Ii desu. Oui, ok. Donc, la première phrase que j'aimerais bien que vous me traduisiez, c'est hier, j'ai regardé la télé à 18h30. Et je vous ai mis deux mots. Hier, kino et télébi. La télé. Ah, konbanwa, Dark-san. Konbanwa, genki desu ka? Donc, je vous laisse aller. La télé, c'est quoi cet objet? la chose qu'on n'utilise plus? Non, je dis ça, mais moi, je caste tout le temps mon Netflix sur la télé. Alors, la télé... So ne, amai hito wa ne, negative na shimi o motteru ne. Tashikani. Poketimi, là, c'est plus précis. Après, si tu mets Kala en soi, je peux l'accepter hein, à partir de pour le point de départ. Mais là, nous, on ne l'a pas encore vu dans les cours. Du coup, les gens, ils ne peuvent pas l'utiliser. Parce qu'on ne l'a pas encore vu, ces particules. Ça va arriver. Mais on ne l'a pas encore vu.
いいね、皆さん、素晴らしい。素晴らしい。本当に、本当に素晴らしい。Je vous laisse encore, allez, 30 secondes pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps. Ah, merci beaucoup, Nemesis Yamiko, pour ton follow. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Ano tsuno channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et ben, dis-nous comment tu nous as trouvés. Hein. Tadashi desuka. Ah, t'as une petite faute, Dark. Une petite faute. Tu devras retirer 0,5 points. Anthony Subarashi. Et non, Anthony, pardon. Alors, je vous donne la réponse, ça y est. Kino. Kino wa. Les deux sont possibles. Kino, virgule, ou kino wa. Gogo n'est pas obligatoire. Gogo. Rokujihan ni terebi o. Mimashita. Merci, je vais bien. Et toi, j'ai découvert grâce à Judai qui a partagé notre programme de live en story Insta. Oh, merci Judai. Arigato gozaimasu. Tasukarimasu. Je lui enverrai des... Je lui dirai merci du coup. Bah, bienvenue à toi, Yamiko. J'espère que tu trouveras une place parmi nous. Hein. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas. Donc, là, faites attention. Il y a plusieurs possibilités. Kino... Soit on met rien, soit on peut mettre wa, H-A quand vous l'écrivez en lomadia. Kino wa, gogo est optionnel. On n'est pas obligé de le préciser, même si ici, comme on n'a pas de contexte, ça vous précise que ça va être 18, d'accord? Gogo rokujihan ni, ni, indispensable, hein? On est sur un temps précis, chiffré, donc on n'oublie pas la particule. Terebi o mimashita, phrase avec un COD, je regarde, j'ai regardé quoi? Je regardais au passé, hein? Terebi. Le retour du Dai. Ah, bon appétit, Mayeu. Merci encore, merci. Mettez des clap 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 pour Mayeu. Merci, merci. Arigato gozaimashita ne. Anthony. Anthony, Anthony, Anthony. Et je parle pas d'Anthony, je sais pas qui c'est. Arigato ne. Tasukarimasu. Arigato gozaimasu. Donc voilà, si vous avez écrit cette phrase-là, donc soit Kino gogo rokuji ni terebi o mimashita, ou encore Kino wa gogo rokuji han ni terebi o mimashita, ou encore Kino rokuji han ni terebi o mimashita, et dernière possibilité, Kino wa rokuji han ni terebi o mimashita, alors vous avez les deux points. Dès qu'il vous manque quelque chose, ou que vous avez quelque chose d'incorrect, vous retirez 0,5. Mata sui yobi ne, mata sui yobi. まあ、マヨは明日私は話すかもね。毎日話してるから。まあ別に。Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez fait des erreurs, est-ce que vous avez des questions? Ah, en effet, vous pouvez dire Lokuji Sanjupun. Ça marche aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça se dit. Il y a plein de possibilités. Hein. Il y a plein de possibilités en japonais. Bon, ça a l'air d'aller. Si vous avez une question, vous faites un arrobase à pronom japonais. Et du coup, la deuxième phrase à traduire, et on aura fini pour aujourd'hui. Mon chat blanc est très mignon. Comment vous me diriez ça en japonais? Chat, c'est neko. Shiroi, on l'a vu tout à l'heure, un blanc. Et kawaii, mignon. Sanjupun, Sanjupun, c'est 30 minutes en fait. C'est Sanju, 30, plus les minutes. Pun, fun, Sanjupun. Iné, iné. Je vous laisse aller un petit 2 minutes. Bon, une grosse minute là, le temps qui reste. Faites attention. Mon chat blanc
est très mignon. Mon chat blanc, c'est pas juste mon chat, c'est mon chat blanc. Et il est pas juste mignon, il est très mignon. Et encore une fois, il y a plein de possibilités. Hein. Je sais que vous avez plein de niveaux différents, donc j'accepterai plusieurs réponses. Allez, encore 30 secondes. Ah, Iné, Mina-san. J'aime bien les gens qui ont cours de route qui vont « Ah, j'ai oublié ça !» So desu ne, chanto kangaete kara kaite kudasai ne. Réfléchissez bien avant d'écrire. Enfin, réfléchissez et après écrivez. Iné, je vous montre la réponse. Allez, encore 10 secondes. J'aime bien. Ah, j'ai oublié quelque chose. T'inquiète pas, Yamiko. T'inquiète pas. C'est normal. Oh non. Alors, là, il y a plein de possibilités, vraiment. La phrase type. Vraiment type, c'est Watashi no shiroi neko wa kawaii desu. Oh merde, même moi j'ai fait une faute. Totemo kawaii desu. Je me fais avoir par mon propre piège, c'est une blague. Attendez, c'est pas possible. Je vous jure. Hop, totemo que l'on va mettre du coup. Est-ce que je peux le... Voilà, et... Oh merde, je peux pas le pencher. Ah, bah mince alors. Mince. Ah, je peux pas. Attendez. Non, tant pis, hein. Voilà. On fait comme on peut. Avec les moyens du bord, il y a un totemo là-dedans. Et le pire, c'est que j'insiste en mode très, très mignon. Donc attendez. Watashi no shiroi neko wa totemo kawaii desu. Là, vous avez plusieurs possibilités. Watashi, le pronom personnel, ole, boku, atakushi et tout. Oh, t'es grammaticalement, c'est correct. Ensuite, totemo. Totemo, on a plein d'autres manières de dire très. On a cho. Mecha. Cho et mecha, c'est très oral par contre. Donc à l'écrit, privilégiez le totemo. Mais en soi, c'est correct. Et après, Tre to iu tame ni ironna kotoba ga aru mitai da ne. So desu ne. So. Takusan. Ma takusan ici, ça s'utilise pas, mais totemo, mecha. Ano, cho. Etc. Sugoku. Ouais, voilà. Anto, excellent. Tout ça, ça marche. D'accord? Donc là, watashi, ça dépend ce que vous avez mis. Et totemo, ça dépend ce que vous avez mis. Pour le reste, vous n'avez pas trop d'autres possibilités, sachant qu'on est en poli. Hein. On est en poli. Désolée. Et le pire, c'est que j'insiste en mode attention, vous allez oublier quelque chose. Et la prof, elle fait la faute. Que voulez-vous, on n'est pas parfait. Hein. Yokatta sensei ne. En poli, on a le droit à ore. Bah, théoriquement, non. Ore no shiroi wa neko. Ah, ore no shiroi neko wa cho kawaii de kawaii. Kawaii yo, toka. Donc normalement, non, on n'a pas le droit au olé. Hein. Olé, c'est très oral, très impoli. Entre guillemets, impoli. Bon, si, sur ça, du coup. Au total, est-ce que vous avez compté vos points?
quelle est votre note pour les personnes qui sont là depuis le début ou jusqu'à maintenant, hein, vous calculez jusqu'à ce que vous êtes et le nombre sur le nombre de questions que vous avez fait, vous avez combien? Est-ce que ce gros récap vous a été utile? Est-ce que vous avez des questions? Pour Shiro, une oneko, c'est faux. Oui, alors Shiro, i, hein, adjectif en i. En forme épithète devant neko, on mettra le i. Shiro, comme c'est pas un nom, ça peut pas fonctionner. Ah, oh, ina, minasan. No name, idea, à peine la moyenne. Mais no name, t'as pas le temps de réviser le japonais, il me semble. Du coup, c'est une bonne chose, non? Moi, je dis ça. Je dis rien, mais. Je dirais une petite moyenne, mais très bon examen récapitulatif. Ah, yokata, 19, 16, 25, 18. Ah, iné. Va falloir que je retravaille encore pas mal pour être au niveau. T'inquiète pas, Spice, les lives seront toujours là sur la chaîne Twitch. Il n'y a pas moyen de faire avec la particule ga. Ici, non. Pas dans ce genre de phrase. Ga kawaii, wa kawaii. Ah, bon, bah ça va, Saïma, du coup. Les deux points, si c'est des choses que t'avais pas vu. J'ai payé sur 20. J'avoue, Mayo, il a un 200 sur 20. Hein. Au moins. Ah, dommage, Dark. Mais c'est tous les jours. Non. Lundi, mercredi, jeudi à 18h30, les cours de japonais. Et là, quand c'est les examens, c'est que le lundi et le mercredi à 18h30. Et là, mercredi, on a examen de kanji. Et donc, Yamiko, toutes les semaines, en dehors des périodes d'examen, on a un cours le lundi, mercredi et jeudi à 18h30. Le lundi, c'est grammaire. Le mercredi, c'est kanji. Et le jeudi, c'est exercice. Je suis tes cours, j'ai une petite appli, mais je m'en sers que quelques minutes par jour et c'est tout. Je n'ai pas le temps de réviser. Donc, c'est bien, Nonaim Idea. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu connais déjà, si c'est presque la moyenne. Et il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, c'est normal. Ça, c'est la pratique qui te permettra de faire ça. Je vais avoir full cool de japonais avec toi et Juda, Yokata, et Ine et Yamiko en plus. Donc tu as Tokimeki qui fait de temps en temps des cours de japonais. Et tu as Japan Kankei qui fait le vendredi. Japan Kankei. Si tu vas sur son stream... Ah oh mince, je suis en clavier japonais. Si tu vas sur son stream, dis-lui que tu viens de ma part, il sera content. Kanji, oh mais ça, muzukashi. Ma muzukashi kedo. Daijoubu, Lenju, c'est les bas. Si vous vous entraînez, ça va, hein. Japan QWERTY, désolé. Ah, bon, bah, c'est bon, Yamiko. Alors, tu connais la base. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Shitsuman, arimasuka? Daijoubu desuka? Est-ce que ça vous a permis de bien réviser? Est-ce que ça vous a plu pour la rentrée, ce petit examen? J'ai cru comprendre que je vous avais manqué. Et sachez que vous m'aviez très manqué aussi. Shitsumen ga arimasen. Ah, naruhodo. Et déjà, ikoto desho. Ikoto desu yo ne. Non, Mayu. Je veux pas de don d'en revoir. En tout cas, félicitations pour cette démarche. Tu sens bien structuré ce que tu fais et on sent ton envie de transmettre. Bravo. Oh, c'est trop chou, Dark. Oh, ce genre de commentaire. Oh, mon cocolo, il peut pas tenir. Hein. Merci pour le récap. Mais avec plaisir. Je suis contente d'avoir plutôt bien enregistré les conjugaisons verbes des adjectifs, mais le vocabulaire, malheureusement, faut que je trouve un moyen pour que ça... Si t'as un astuce sur la procédure de vocab, je prends Quizlet Anki tous les jours. Dès que tu vas en mode vocabulaire, tu le rajoutes dans ta liste et tous les jours, tu essaies de te les répéter. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. J'apprends quelques mots et tous les jours, je me répète tous les mots. Hop, 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 hop. Et je les retiens. Hein. Là, j'ai retenu pas mal de mots, des verbes principalement. Donc, faites-le, hein, faites-le. Anki, Quizlet et tout. Et donc, voilà, pour le vocabulaire, c'est ce que je te recommande le plus. Hein. Hisashiburi deshita ne, sone, to, hisashiburi deshita. Lundi, alors lundi prochain, le cours de grammaire, ça sera les particules de lieu. D, ni, e, o, particules de lieu. Je suis arrivée à la fin visiblement, mais j'ai bien aimé
du peu que j'ai vu, je viendrai le plus souvent possible. Ah, yokatta desu. Ben, écoute, je suis contente, Yamiko. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Hein, du coup, c'est là où je suis active tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais recommencer à être un peu plus présente en vocal, là, vu que c'était les vacances. J'ai un peu délaissé le Discord. J'en suis désolée. Mais je reviens de plus belle. Et voilà, si vous avez des questions, pareil, le Discord et tout. Puis elle, j'ai pas réussi à m'y mettre encore. Je trouve ça bordélique. Quoi ? Quoi, Saïma ? Quoi ? Bordélique alors que c'est ludique. Merci beaucoup, Sensei. Arigato ! Nemo est une habitude telle qui t'aide à apprendre les mots en te les répétant plusieurs fois. Ah, d'accord. Ton mémoire avance ? Non, Saïma. On va pas parler de ça. J'ai oublié de revenir avec un subtier 3, j'avoue. Mayu, il a mis tellement bien. Tellement bien. À la Poketimi, profite. Hein. Kakashi Sasuke, mais à donf, à donf, à donf. Hein. Bon, je suis contente de voir que ça a été pour vous, du coup. Du coup, les gens, comme d'habitude, est-ce que vous avez des recommandations pour raid quelqu'un? Osusume, alimaska? Osusume wa. Attendez, je vais regarder ce que j'ai de mon côté. Qu'est-ce qu'on a en recours? Nani ga ikana? そうですよ. Dakara, manichi benkyou shinakereba naranai. Sukoshi zutsu bokutachi wa jouji naru to omou. Ma, to omoimasu ne. Eh, so desu ne, Daku-san. So desu ne. Yokkuri minna wa benkyou sureba jouji naruru kara ne. Ah, konbanwa geru kuromu. もう終わりなんだけど Twitch のおすすめありますか? Est-ce que vous avez des recommandations Twitch? Peu importe le thème, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un avec des good vibes, du gaming, de l'artisanat, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas des gens de votre côté qui stream et que vous voulez faire un petit coup de pouce? Là on est plus de 30, ça fait toujours plaisir. おすすめないのか?今はないけど、いないのか?私ならね。On va regarder dans mes recommandations, hein. Alors. On a une artiste. Bah écoutez, s'il n'y a pas de recommandation, je prends le premier qui me vient. Les dessins qu'elle est en train de faire, c'est... Ah, kawaii sugi, kawaii sugi. Du coup... Hop, on va pas rester 10 000 ans. On va partir sur Jenar. Jenar, j'imagine. Jenar. Allez, moi je dis bonne soirée à tous. Ah, hi, soleja, olega iku. Sensei, arigato. Mata suyobi ne. Du coup, les gens, merci 1 milliard de fois pour cette rentrée. Ces deux trains de la hype extraordinaire. Je suis en BLS. Certes, je suis super contente de vous revoir. Du coup, vous m'avez quand même manqué beaucoup, beaucoup. Hein, je tiens à le préciser. On se voit demain à 18h sur les Discord pour réviser les kanji. Et sur Twitch, on se voit mercredi à 18h30 pour l'examen de kanji. Révisez bien hein, les Motinobi. Il va être un peu long, mais vous allez y arriver. Je crois en vous. Vous êtes les meilleurs. Je vous fais à tous des bisous énormes, 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 énormes. Un gros câlin. La totale. Merci beaucoup. J'espère que le cours vous a plu, du moins l'examen vous a été utile. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, message de raid, tu t'es fait japoniser. Des bisous tout le monde. Matane. Otsukaresama deshita. Bye bye.